Ok, nickel. J'ai rien oublié? Le son, c'est bon? Alors, j'ai du coup le truc pour enlever ma caméra, etc. C'est des cinématiques. Je vais le mettre tout de suite. Parce que moi, je suis un vrai streamer professionnel qui fait des lives très très régulièrement, comme vous le savez déjà. Hop. Voilà, je vais le mettre ici. Bon bah c'est parti. Salut à tous, on se retrouve dans un nouveau live. Aujourd'hui, nous allons tester et découvrir le nouveau jeu Pokémon Scarlet Violette. Donc c'est Scarlet, ça peut être quoi? C'est un peu rouge. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est pas grave. Scarlet et Violette. Alors moi j'ai pris la version Violette parce que le légendaire est quand même vachement plus stylé. Un peu avec des turbos, des trucs comme ça. Mais ça, on ne sait pas pour l'instant. Pour les gens qui n'ont jamais regardé la démo, on ne sait pas. Alors voyez le jeu, je n'ai jamais joué. Quelle langue voulez-vous jouer? Voilà, donc voilà, hein. C'est devant vos yeux. J'ai prévu un petit truc parce que je suis quand même un streamer qui stream tous les jours. Très régulier en tout cas. Pas du tout, ça fait pas 3 mois que j'ai pas stream. J'ai préparé une feuille ici. Alors vous avez plein de reflets là de LED, c'est super. Alors c'est une feuille du coup avec. Je vais vous montrer. Voilà. Alors en fait c'est tous les. Bah les types, les attaques et tout. Alors étant donné que je suis un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu Pokémon. Alors d'ailleurs, je sais pas si je peux vous le retrouver. Hop hop hop. Voilà. Je l'ai retrouvé. Le dernier Pokémon que j'ai joué, c'est celui-là, Pokémon Soleil. Il est incroyable ce jeu, franchement, sur 3DS. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, il était là-haut là, depuis tout à l'heure. Depuis très longtemps d'ailleurs. Il y avait un truc Pokémon Bracelet Z, synchronise la montre la Nintendo DS avec le bracelet. Étant donné que les capacités Z, c'est le truc qu'on spamme le plus dans le jeu, tu dois toujours être là, t'es sur ta DS et tu spammes ton bras. Donc voilà. Ce jeu est absolument incroyable. C'est mon dernier Pokémon. Ah non, c'est pas mon dernier Pokémon, en fait, je me trompe. C'est mon dernier Pokémon sur 3DS auquel j'ai joué. Mais j'ai joué à Let's Go Pikachu. Mais j'ai pas fini. En fait, j'ai perdu ma sauvegarde. C'est un peu con, hein, mais du coup, je vais pas tout refaire. J'étais presque à la fin. Mais du coup, ouais, j'ai bien joué à Let's Go Pikachu. Let's Go Evoli, Pikachu, comme vous voulez. Du coup, bah, je me suis dit. Alors, j'y avais joué. En live, d'ailleurs, avec vous. Il n'y avait pas de rediff. À l'époque, il n'y avait pas de chaîne VOD. Donc, on pouvait pas le revoir. Mais j'avais joué au Pokémon Épée et Bouclier avec vous. En vrai, c'était sympa. C'est marrant. Mais après, j'ai jamais continué personnellement. Enfin, le jeu m'a pas trop. J'ai pas trop accroché au jeu. Pokémon Arceus, Légende d'Arceus, j'ai jamais joué. Donc, voilà, je connais pas. J'ai pas du tout joué même une seconde. Donc du coup, bah, ça va être une découverte. Et du coup, j'ai ça au cas où. Imaginons par exemple, y a un type électrique. Bon, on va rester dans les trucs de base. Il y a un type plante. Et ben en fait, choisis le Pokémon adverse ici. Voilà, défense. Et quelle attaque je vais pouvoir faire? Donc là, je sais que feu, c'est efficace. Eau, plante, électricité, ça fait rien. Enfin, c'est rouge, ça marche, mais ça fait. Non, ça marche, mais c'est pas très efficace. Après, je sais que l'attaque de froid, là, comment on pourrait dire ça? Ça, c'est très efficace. Après, les attaques de petit combat, là, c'est normal, ça fait pas d'effet particulier. Et donc voilà, je vois type insecte, type vol, type poison, ça, c'est ultra efficace. Et par exemple, je sais que type il y a roche. Ouais, type roche. Il y a type montagne. Je sais plus en vrai. Et bah ça c'est pas très efficace. Du coup je sais, étant donné qu'il n'y a pas de timer dans les combats Pokémon, je vais pouvoir regarder cette fiche, si je ne sais pas, pour voir quelle attaque sera la plus efficace.
Alors Jordi, c'est parti, on va jouer. Il est 22h dans une minute. On va jouer du coup au dernier Pokémon. Alors on met quoi en italien? Alors j'ai pas envie de faire une connerie et de lancer vraiment le jeu en italien ou en allemand. Parce que là je vais pas trop rigoler après quand je vais devoir tout réinitialiser, ça va être chiant. Donc on va rester sur le truc français. Maintenant qu'il soit 22h, parce que j'ai dit que je lançais à 22h. Donc voilà, j'ai de quoi enlever ma caméra ici. Hop, pas comme ça, pour si jamais une cinématique. J'ai de quoi regarder pour les. Pour ça, on va faire ensemble. Mais de quoi regarder ici pour les attaques. Et j'ai le jeu 3DS Pokémon Soleil à côté. Mais je pense que ça sert à rien. Et je vais mettre à recharger ma montre d'ailleurs. Ça n'a aucun rapport, hein, mais. J'ai plus de batterie. En attendant qu'il soit 22h. Il est 22h. Du coup, pour ceux qui regardent la rediff, on va commencer. C'est parti. Même pour tout le monde d'ailleurs. Voilà, du coup, je profite. Pour ceux qui regardent la rediff, bah merci beaucoup de regarder. C'est parti. Alors, du coup, français. Est-ce que ça marche déjà? Une apparence. Ok. Bah, c'est moi, mais j'ai pas les yeux bleus, mais bon. On va quand même prendre le gars blanc parce que c'est moi. Même si, regardez, d'ici je suis pas très très blanc. Peut-être ce mec-là il me va mieux là. Non, on va prendre le mec de base, vraiment. Non, j'ai les humains. On va prendre ce mec-là, voilà. Alors, mon nom, ça me met. Manite. Je peux modifier le visage et la coupe, let's go. Moi je vais mettre les tresses. Ok, c'est horrible. Je veux raser. Pourquoi il ferme les yeux comme t'as fait? Ah c'est bon. Coupe droite. On peut pas prévisualiser là. Ouais, c'est un peu ça en fait, hein, mais c'est pas si long. Vous voyez, moi ça s'arrête vraiment là. Puis on va prendre un rasé sur les côtés. Hein. Voilà, allez hop. Plus pour confirmer, mais attendez, on va quand même aller voir la couleur. Châtain clair. C'est carrément blanc. Bon, vas-y, allez. Maintenant qu'on peut personnaliser, vas-y. Hein. J'ai plus les yeux marrons. Ah non, c'est pas les yeux, pardon. Je me suis éloigné de mon objectif. On confirme. Vas-y. Le visage. Est-ce que je peux mettre juste les yeux? Je sais pas. Ça, je m'en fous en vérité, mais. Lentille de couleur. Moi, j'ai pas de lentille de couleur. Je. Les vrais yeux. Ah, voilà. Ah, c'est les paupières. Moi j'ai juste les couleurs. Ah c'est vraiment vert hein. On va laisser noisette. J'ai pas eu tous les yeux comme ça, mais c'est pas grave. Là je fais plus. Je crois. Ok. Ouais bon c'est pas du tout ma copain. Ouais, si, un peu quand même. Un peu, mais c'est pas aussi long. Si le A1. Ça va mettre quand même le châtain clair. Ah non, c'est moche. C'est horrible. Franchement, ouais, ça me convient.
Voilà, bah c'est carrément moi, hein, regardez. C'est faux, c'est pas du tout moi. Est-ce qu'il y a une cinématique? Je suis sûr qu'il va y avoir une cinématique. C'est moi, effectivement. Académie Raisin. Comment ça, Raisin? Je suis devenu un raisin, c'est quoi ce bordel? Une cinématique ou... Comment ça valoriser l'individualité? C'est pas ça normalement le truc. Le monde des Pokémon. Oh, c'est stylé ça par contre. Pour ça, ça bug pas trop. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Monsieur Clavel, proviseur de l'Académie Raisin. La région de Paldea est une terre riche à la nature luxuriante. J'espère que c'est assez grand. Ici vivent des créatures extraordinaires que nous appelons Pokémon. Ces êtres fascinants, présents en grand nombre, peuplent des habitats divers et variés. Oh, il a des Pokéballs trop stylés. Oh, c'est quoi ça? Quelle est cette chose? Les mecs, quelle est cette chose? Je ne connais pas. On peut les trouver en mer, dans le ciel et même dans les zones urbaines. Nous vivons en leur compagnie au quotidien, dans une atmosphère d'entraide et d'amitié. À l'Académie Raisin, les cours offerts permettent d'approfondir les connaissances sur les Pokémon. Nos élèves viennent des quatre coins du monde pour apprendre et progresser ensemble. C'est beau. Comment? En affrontant lors des combats Pokémon... En s'affrontant lors des combats Pokémon, comme les bons dresseurs qu'ils sont. Notre éducation a pour but de développer le potentiel de nos élèves au maximum. Ah, c'est stylé, hein. Ici, vous ferez rencontre de nouveaux amis de Pokémon. Vous découvrez votre vous intérieur. Nous attendons votre venue à l'Académie Raisin avec patience. Ouais, l'Académie Raisin. Hâte d'être à l'Académie Raisin. Pokémon. Violet. Violet, je sais pas comment on peut dire. En anglais, comment ça se prononce? Waouh! C'est quoi ça? Une suite de moi ou. Waouh! C'est épileptique! Il y a un problème des couleurs, je crois. Il y a un problème de colorimétrie, hein. Je peux pas passer la cinématique. Bon, on comprend pas ce qui se passe, même si c'est absolument horrible. Oh là là, en fait il y a une photo en fond. Et puis il y a des trucs qui se passent. Alors je suis désolé de vous offrir ce spectacle immonde. Bah du coup il y a toujours cette photo là. Bon. C'est quoi ce bordel? Ah, le jeu sauvegarde quand même. Il fait des cinématiques dégueulasses, mais il sauvegarde. Ah, c'est moi. Alors, il y a une touche qui est apparue, mais j'ai rien cliqué. Vraiment, j'ai rien fait. Hein. Bah, vous voyez, ça l'a refait. Mais c'est quoi ça, mais... Apparemment, j'ai vu que c'était bugué. Mais ouais. Là, je suis dans ma chambre de l'Académie Raisin parce que moi je suis un vrai petit raisin. C'est la nouvelle Nintendo Switch, son écran est plus grand que celui des modèles précédents. Oh, trop bien. Aujourd'hui, dans Vue sur Ville, nous proposons une aventure urbaine à Massaledo, pardon. Une ville qui accueille une célèbre académie. Ce n'est pas le moment de regarder la télé. C'est votre penderie, elle est décorée avec des autocollants Pokémon.
Alors je connais un, mais je connais pas les deux autres. L'ABC. Menu principal, là, bouton X. X. Ok. En fait, à part pour les jeux Pokémon, je joue jamais sur Switch. J'ai un peu. J'ai pas du tout l'habitude. Peluche rond gourmand. Elle est douce et de bonne qualité. Bah, c'est cool. C'est un. Celui douillet sent bon le propre. Regardez mon perso, comment il est stylax. Ici, il y a une carte. Est-ce qu'on peut voir la carte? Ah, c'est une carte de Paldea. Votre maison se situe au sud. Ok. Moi, je vais voir le menu du coup. Paramètres sauvegardés. Paramètres. Non, je saute pas la gestion de capacité. Surnom à la capture, oui, parce que ça, je vais vous demander de choisir avec les points. Activer, activer. Permet de passer les cinématiques. Bah, j'ai pas envie de le faire, mais le problème, c'est que si. Si les cinématiques sont aussi dégueulasses, on les désactivera. Hein. Alors, j'ai absolument rien changé, mais ok. Et là, on peut sauvegarder ici avec R. Ok. Et là, ça fait rien, Y. Ok. Et là, ici, c'est quoi, bibliothèque? Étagère que maman a fabriquée elle-même, elles sont bien rangées. Alors, on va descendre. Waouh! C'est quoi ça? Alors, du coup, moi je suis là pour tester le jeu, hein, c'est écrit dans le titre, mais regardez. Le mec descend et à son pied, il se plie comme ça, il fait hop, là, il y a Michael Jackson. Attendez, là, ça le fait plus. Voilà. Il fait. Et même, regardez les pieds là. Là, je peux bouger un peu la caméra. Salut Luigi Mario, bienvenue. Regardez, les pieds sont à moitié dans le sol. Bon, c'est n'importe quoi. Bon. Tout va bien. Est-ce qu'on peut regarder la plante? C'est une des plantes. Attention à ne pas la faire tomber. On peut même cliquer sur la plante et ça marche. Ah, cinématique. Je ne ferai pas les cris des Pokémon pour des raisons évidentes. Que j'ai une dignité. Quoique, je sais même pas si j'en ai une en fait. Hein. Je sais même plus. Là, la maison, on va explorer un peu la maison. Pas ton carton pèse lourd. Que peuvent-elles contenir? Ah, mais on déménage comme dans tous les jeux Pokémon. C'est un intitulé Mosaïque de lumière. C'est un collage de papier coloré. C'est beau. Et ça, c'est quoi? Jus en devenir. Ouais, c'est rafraîchissant, effectivement. Oh, la caméra. Elle a du mal à reculer. Ok. Que veut qu'on suive le rond gourmand là? Gourmand. Ah merde, je l'ai fait. Merde, je l'ai fait, pardon. Voilà, Daronne, elle est là. Bon, on va avancer, on va pas regarder tous les éléments de la maison. Même si, bon, ça peut être marrant, mais. Est-ce que je fais une voix pour la mère? Coucou mon cœur. Ah, c'est ridicule. Oh, mais tu portes déjà ton uniforme. C'est vrai que c'est ton premier jour dans ta nouvelle école aujourd'hui. Je suis si contente pour toi. Mais j'ai même peur que tu dois faire preuve d'un petit peu plus de patience. L'école vient d'appeler pour demander d'attendre ici. Apparemment, ils ont envoyé quelque chose de très important à tous les nouveaux élèves. Mais on n'a encore rien reçu. Ding dong. Le hasard est vraiment fou. Bon, après, c'est un jeu pour enfants, hein. Faut pas l'oublier. Ah, bah, quand on parle du loup-garoc. Ah, j'ai compris, c'est marrant ça. J'ai compris. Va vite ouvrir, c'est sûrement pour toi. Attends, j'attends que ça sauvegarde. Merci. C'est où l'entrée? C'est là? Regardez la tête de mon perso, franchement. Il est comme ça, il fait. Puis excusez, je me suis permis d'entrer. Bah, tranquille, le mec, hein. Il s'incruste chez les gens comme ça. Vous êtes monsieur Monnier, je présume. Alors, du coup, pour rappeler, moi j'ai joué que au épée bouclier, la version épée.
juste en live, j'avais fait un live et puis après j'ai pu continuer. Ça m'a un peu saoulé. Sincèrement navré pour l'arrivée si tardive de vos documents d'inscription. Laissez-moi me présenter. Ah, c'est le mec du début là. Je me nomme Monsieur Clavel, je suis proviseur de l'Académie Raisin. Vous êtes le proviseur, vous êtes venu personnellement chercher mon fils? C'est la moindre des choses. Proviseur est le premier responsable des bévues de son académie, après tout. Voilà pour vous, à l'intérieur vous trouverez les documents d'inscription ainsi qu'un plan de l'établissement. Bon, nickel la phrase en deux temps. Oh, comment elle l'a pris la fait. Tu me donnes maintenant. Vous êtes déplacé spécialement pour ça? Oh, il fallait pas. Puisque vous êtes là, laissez-moi vous offrir quelque chose à boire. Oh non, je n'oserais m'imposer. Mon cœur, maman doit parler un instant avec monsieur le proviseur. Wow, ça va partir. On va avoir une bourse, je pense. Moi j'ai fini seulement épée et bouclier aussi. J'en ai fait d'autres, mais j'avais fini car je sais jamais où aller. Ah putain. Ah, on va avoir une bourse pour l'école bientôt. Merci maman, elle négocie bien. T'as donc fini. Waouh. Non mais c'est un jeu bizarre quand même. T'as donc finir te préparer pour l'école dans ta chambre, tu veux bien? Bon, bah je dois aller dans ma chambre, hein, je sais pas ce que ça veut dire. Ce serait bête d'oublier ton sac et ton chapeau pour ton premier jour. Par ici, monsieur Clavel. Waouh, c'est vraiment bizarre ce jeu. Volontiers. Oh mon dieu. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Volontiers en plus. Ah, l'ambiance là. Romantique de fou là. Hein. T'as le petit là qui fait gourmand. Faut que j'oublie qu'il y a ma caméra, du coup vous voyez pas les trucs sur les côtés. Est-ce que je peux parler à ma mère pour voir ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu attends pour les préparer à l'école? Va donc chercher ton sac et ton chapeau dans ta chambre, mon cœur. C'est pas un... Vu que c'est un jeu pour enfants, faut bien préciser. Ta chambre. Et lui il va dire pareil, regardez. Je vous en prie, faites comme si je n'ai pas la montrée dans votre chambre. Bon, ils l'ont pas mis en mode orange. Bon bah si vous voulez hein. Pourquoi ils attendent que je parte dans ma chambre quoi? C'est vraiment bizarre hein. Au moins il n'y a pas de chargement là, c'est bien. Bon heureusement hein. Pourquoi ils attendent que j'aille dans ma chambre? C'est bizarre non? Ah ici il y a un truc. Ah c'est ça. Êtes-vous prêt à enfiler votre sac et votre chapeau? Oui. On a déjà visité la chambre juste avant. C'est vrai que c'est quand même bizarre hein. Désolé mais vont me dire dans ta chambre. Tu parles aux parents, ils sont là, ils se regardent. Et dès que tu leur parles ils disent va viens dans ta chambre. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? C'est bizarre hein. Pour ouvrir le menu principal, appuyez sur le bouton X. Ok, ça on l'a déjà vu. On l'a déjà vu ça. Sauvegarde s'il te plaît. Voilà, je suppose que je dois partir. Ah non, je veux pas vous voir les parents. Je veux pas vous surprendre. Enfin, c'est pas les parents, mais mon proviseur. Chaque fois que je joue à Pokémon, j'appelle toujours mon perso Mario et je prends une fille. C'est original. Oh mon cœur, te voilà enfin prêt, fin prêt pour ton premier jour d'école. Cet uniforme fait la fierté de notre établissement. Je dois dire qu'il vous sied admirablement. Oh, je fais bien la voix. Oh. Oh, mais je l'avais prédit qu'il allait dire ça. Oh, mais où avais-je la tête? J'étais à deux doigts d'oublier de vous confier le plus important. Nous serons mieux à l'extérieur pour cela, suivez-moi. Oh, il va me casser la gueule. Il va me casser la gueule là. Tu veux pas savoir ce que le proviseur va te donner? Moi si, allons vite dehors. Plus on avance dans le jeu, plus ça devient bizarre. J'attends que ça sauvegarde. Je veux exactement mettre ça dans le jeu. Bah c'est parfait. Waouh, waouh, waouh! C'est quoi ça? Désolé pour les épileptiques. Attendez, je passe. Montrez-vous! Non mais. Les mecs! C'est quoi ce jeu? C'est quoi ça? Ah, ça fait mal aux yeux.
Chaque nouvel élève de l'académie reçoit un Pokémon, c'est la tradition. Demandez de choisir votre premier partenaire parmi ces trois-là. Le Pokémon. Non mais mec, c'est quoi ce starter? T'es mal à la caméra? Elle est dans un mur. Poussa! Ah là là! Crocodile Pokémon Croque-feu. Crochodile. Chaud. Coiffe-t-on le Pokémon Cam-t-on? Quoi? Mais pourquoi la caméra? T'es mal à la caméra, ce qu'elle fait? C'est n'importe quoi ce jeu. Trois Pokémon sont très dociles. Observez-nous qu'ils ne me lâchent pas d'une somme. Ah, c'est vraiment, ça fait mal aux yeux. Hein. Je suis désolé. Hein. Alors, si vous êtes épileptique, fermez les yeux. Écoutez ma voix. Oh, leur tourne. J'aimerais mieux. Le devoir m'appelle ailleurs. Ouais, casse-toi. T'as marre dans cette maison parce que retournez là-bas. Prenez votre temps pour réfléchir. Mais là, j'ai pas envie de prendre mon temps là. T'as vu le truc qui me flash à la gueule. Ça alors, le proviseur est vraiment très poli. Comment ça, maman? Comment ça? Bon, c'est des trucs sous tes yeux, c'est incroyable. Ah, mais vraiment, hein. Regarde, c'est la daronne qui fait ça, je crois. Pourquoi il y a un truc sur la daronne qui... Tu vas choisir un Pokémon parmi ces trois-là. Ça va pas être facile, ils sont tous si mignons. Puisque là, tu as le temps, pourquoi tu peux pas te balader avec eux? Ça, tu apprendras peut-être plus sur ces Pokémon. Oh, une dernière chose. Maman, t'as acheté un petit cadeau pour célébrer ton premier jour. Garde-le toujours sur toi, d'accord? Merci. Motismart. Mettez le Motismart dans la pose objet rare. Un téléphone de dernière génération dans lequel un Pokémon du nom de Motisma est lu domicile. Comptez une sorte d'application bien pratique. Non, on a un smartphone carrément. Ma mère est le démon. Moi je vais prendre le Shaweed. Ah ouais? C'est un Pokémon derrière écrit, voyons voir la notice. Il arrive que vous avez perdu votre chemin. Oh, une carte! A plus tard mon cas. Regardez la daronne! C'est son visage qui fait ça. Ah mais casse-toi, regardez, elle est partie, ça marche. Salut voisine, c'est quoi ça, attendez. Ah, c'est la carte. Attendez, on en reparle de ce qui va se passer. Je sais pas ce qu'il faut pendant que t'étais dans la chambre, mais... Ah, je crois qu'il y a quelque chose, elle a dit. Il est vraiment très poli, le proviseur. Hein. Bon. À mon avis, c'est louche. Hein. On va regarder ça. Alors, le Motismart est un outil particulièrement pratique que plusieurs habitants de Paldea utilisent. En installant des applications, vous aurez accès à une grande variété de fonctionnalités. C'est pas mal. Les cartes vous permettent d'obtenir de nombreuses informations sur la région de Paldea. Utilisez le stick droit lorsque la carte est ouverte. Stick gauche. Ah, ouais, bon, je crois savoir. Les taxis volants. Comment ça, les taxis volants? Permettent de rejoindre un certain endroit que vous avez déjà visité auparavant. Ouais, c'est logique. Un taxi volant, on l'avait jamais fait. Hein. C'est une bourse. ton message est extrêmement vrai. T'as une bourse, mais il a détruit la daronne. Et elle a détruit la réalité. C'est exactement ça. Hein. Ok. Donc là, vous voyez, je suis avec les... On voit qu'il y a des Pokémon ici, c'est stylé. Là, je peux zoomer ici avec ZR. ZR. Ok, c'est un peu trop dézoomé. On a des trucs ici. Du coup, si je fais ça... Je clique ici et je fais A. Et finir comme destination. Ok, la carte se met bien en bas. Ok, donc on est là, du coup, on a nos Pokémon. La daronne, elle est où? Ok, elle s'est barrée. Bon, bah c'est parti. Faut aller faire une petite balade. Pourquoi on est aussi lent comme ça? Bon, je sais pas ce que je dois suivre le chemin là. Hein. Et moi, si je veux marcher sur les herbes, bam, je marche sur les herbes. C'est vrai qu'ils sont mignons, les petits Pokémon, là. Il y en avait pas trois, au début. Parce que les starters, c'est vraiment trois. Hein. Pourquoi il y en a qu'un?
C'est quoi ce jeu? Qu'est-ce qu'il y a? Chouchar la gare. Ok. Merci, on peut courir, mon dieu. Je me suis dit que ça allait être lent. Ils sont passés où les starters? Parce que... Ah, ils sont là! Ils ont réapparu, les starters. C'est quoi ça? C'est quoi ce buisson là qui clignote? Oh mon dieu! Il est plus là! Attendez, je m'en vais. Oh mon dieu! Regardez! Il y a un buisson qui clignote, mais... c'est quoi ce jeu? J'espère qu'ils vont faire des mises à jour, hein, parce que... Là, c'est vraiment grave. Hein. Oh, mais... Les pots de fleurs clignent. C'est trop, là, c'est trop. Regardez! C'est quoi, ça? Mais est-ce que toi, t'as ça dans ta version? Parce que... C'est pas normal, hein. Ah, on est bien d'accord, hein. Il y a un vrai problème. Ah là, c'est pas bugué. Bon, il y a des petits freeze, mais ça va. T'es en portable? Ah ouais, c'est possible. Le problème, c'est que moi, si je mets en portable, bah, vous n'avez pas le jeu, en fait. Tu es dresseur. Ils sont à toi ces Pokémon? Ah là, ça bug plus. Bon, il y a juste le pot de fer qui clignote, mais ça va. Non, il n'a pas encore fait son choix, mais cela ne saurait tarder. Ça choisit des Pokémon violets aussi. Ouais. C'est bugué ou pas? Je suis fort curieux de savoir ce qui sera ton premier choix. Ok, lui il est débile. Lui il fait le beau gosse et lui il est bizarre. Tout va bien, mec. Salut, t'es nouveau dans le coin, je me trompe? Je dois bien avouer que je vous attendais pas si tôt. Ah, c'est vrai qu'il faut que je change de voix pour les personnes. Monsieur, mais alors c'est... Je vous présente Monsieur Monit, il va rejoindre l'académie dès aujourd'hui. Oh, je fais bien la voix, non? Oh, mais bien sûr, c'est toi qui as emménagé dans la maison d'en face. Alors, les pots de fleurs clignotent, mais tout va bien. J'avais super hâte de te rencontrer. Moi, je m'appelle Mendy. Ah non, elle fait plus cette voix. D'habitude, j'habite sur le campus de l'école, mais bon, t'es quand même mon nouveau voisin. Alors, devenons amis, t'es d'accord? Et si je mets non pour voir? Pourquoi je suis flou? Et si je mets non? Attendez. Oh! Caméra de merde. Est-ce que je mets oui ou non? T'es nouveau voisin, devenons amis. Alors je mets oui, hein. Mais en vrai, non? Ouais, vas-y, en vrai, non. Tu sais parce que t'es timide? Ou c'est moi qui parle trop fort? Me parle pas, toi, déjà. Casse-toi. Moi, bon, j'ai mis non, direct. Mademoiselle Mendy est la délé... Ah non, attendez, faut que je me remette. Mademoiselle Mendy est la déléguée des élèves de l'académie. C'est également une dresseuse émérite du rang maître. Oui, j'adore les combats Pokémon. La voix, elle est passée de féminin à grave direct. J'adore les combats Pokémon, j'ai vraiment hâte qu'on s'en fasse un. Vous aurez tout le loisir de vous affronter plus tard, puisque vous serez dans la même classe. C'est un excellent moyen de faire plus ample connaissance. Non merci, non non. Moi je veux... Non, je veux pas être avec elle, hein. Vraiment, on va être dans la même classe, super, on pourra combattre quand on veut. Moi je veux pas être avec elle, hein. Elle est folle. Hein. J'ai dit non, je veux pas être son ami. J'ai suivi, je vous ai suivi. Sur ces bonnes paroles, monsieur Monit. Toi tu touches plus à la daronne, toi. Tu touches plus à la daronne, mon gars. Avez-vous choisi quel Pokémon sera votre partenaire?
Bah, atteint votre destination. Merci, mec. Alors, les pots de fleurs clignotent, hein, mais c'est un détail. Combien j'ai payé les jeux déjà? 70? Mais c'est quoi ça? Quelqu'un m'explique? Bon, y a le mec qui s'est tapé de Madaron et l'autre folle à qui je suis pas son ami. Bon, toi tu vas prendre le truc plante. Par contre, les ombres sont dégueulasses là, sérieusement. Tout est dégueulasse dans le jeu. Non, ça va, par contre, regardez les ombres des Pokémon là. Elles sont horribles. Bon, si toi tu prends le chat plante et que le truc haut est un peu dégueulasse, moi c'est quoi, je vais prendre le crocodile bizarre. Regardez l'ombre, elle clignote. Ah non, elle clignote pas. C'est Chochodil, il est de type feu. Il pourrait prendre des flammèches autour de lui pour réduire n'importe quelle plante en cendres. Alors attendez, je vais quand même regarder sur le truc que j'avais prévu. Si je prends type feu. Alors si mon Pokémon est type feu, j'ai un avantage contre les... Ouais, contre le type plante du coup, bah c'est logique, hein. J'ai pas regardé pour ça, mais pour les autres trucs. Type insecte, type glace, type... Ok, buzz. Vous savez quoi, on va prendre lui. Le monde disparaît, les ombres buggées, c'est rien, à... on est rien à côté. C'est vrai. Bon, vas-y, je vais prendre lui. Je sais pas si ça vous convient. De toute façon, je m'en fous, c'est mon jeu. Je l'ai acheté. Pardon. Je me suis emporté. C'est pas vrai. Hein. C'est une blague. Ciao, ciao. Vous avez choisi Chochodil. Voulez-vous donner un surnom à Chochodil? J'avoue, il est mignon. On va pas lui en donner un. Parce que c'est quand même le starter. Et... Par contre, si jamais vous achetez pour les prochains Pokémon que je vais capturer, je crois que j'ai mis un truc qui s'appelle. Choisissez le nom du Pokémon. Moi, j'ai un chat fait de weed. Bah, c'est parfait. Vous pouvez choisir du coup nom du Pokémon, donc c'est 1500 pièces, Money Coins. Mais si vous avez assez de pièces, waouh, vous pouvez tout simplement choisir le nom du Pokémon, enfin le surnom. Chochodil semble déjà vous adorer. Ah bah il a intérêt, hein. Prenez bien soin de lui, notre Pokémon, entendu? À ce propos, de mettre. Alors ils n'ont pas fait de choix là. Moi j'aurais bien mettre non, je vais vraiment m'en occuper. Mais après il m'aurait viré. Alors attendez, je me remets un peu dans le jeu là parce que. À ce propos, vous devez le mettre dans un objet qu'on appelle Pokéball, c'est indispensable. Je suis pauvre. Ah bon? Ça arrive. Monite, alors comme ça, t'as choisi Chochodil. T'as fait le bon choix. Je trouve que vous allez super bien ensemble. T'insinues quoi que je suis con? Eh bah ouais. Eh, monsieur Clavel, je peux en choisir un moi aussi? Quoi? Comment ça t'as pas choisi? Il a dit il y a... Allez, 3... 1 minute, 2 minutes, que c'était une dresseuse de rang maître. Et qu'elle adorait les combats. Elle dit je peux en choisir un. Ah, j'allais dire. Non, mais j'allais dire. Voyons, mademoiselle Menzi. N'avez-vous pas déjà reçu un Pokémon lors de votre premier jour? Eh bien non, j'avais déjà un autre Pokémon, donc je voulais m'occuper à l'époque, donc je voulais m'occuper à l'époque, donc j'en ai jamais reçu. J'ai relu la même phrase, hein, désolé. Un troll avait pas genre un taureau, mais ouais, c'est bizarre. C'est pourquoi je voudrais... Ah, mais je me trompe de perso, je suis... Le mec est perdu, est schizo. C'est pourquoi je voudrais repartir de zéro et entraîner un nouveau partenaire en même temps. Comme Onit. Votre dévotion... Et tout à votre honneur. Je serais ravi que vous partiez sur un pied d'égalité avec Monite. C'est moi, pour info. Youpi! Elle est vraiment starbée cette meuf. On commence juste pour faire un Nuzlocke, c'est quoi ça? Monite, t'as choisi celui-là, alors que moi je vais prendre celui-là. Bien évidemment, hein, l'intelligence. Ravi de te rencontrer, Poussacha. Je sens qu'on va bien s'entendre, nous deux. Roussard. Désolé, j'ai fait le cri.
Oh là, mais y'a tout qui. Waouh, oui, pourquoi ça fait des. Bon. Ah non, c'est. Bon. Maintenant qu'on a nos partenaires, faut absolument qu'on fasse un combat. Ah, le tuto. Je t'assure sur la plage, rejoins-moi là-bas quand tu seras prêt. Hop là, je me casse, je disparais hors champ. Mademoiselle Menzi peut être une passion débordante pour les combats Pokémon. Acceptez donc son défi, c'est un très bon moyen de renforcer vos liens avec votre Pokémon. On peut pas refuser, parce que moi je l'aime pas cette meuf, elle est chiant. Premier combat. Ouvrir la carte. Ok, bah on va aller là. Pourquoi ça tourne tout seul là? Pourquoi mon joystick il est. Ils ont fait des tests? Ils ont fait un test avant que le jeu sorte ou. Mais je crois qu'ils ont même pas joué, hein. Je crois qu'ils ont développé le jeu, ils ont fait allez, on le sort. Les mecs, ils ont fait. Mais ça va, on a le temps. Non, le jeu sort demain. Comment ça? Voilà, ils se sont dit merde, le jeu sort demain! Dragon Rift. Ouais, je crois, hein. Merde, j'ai pas. Pardon. J'ai pas sélectionné du tout. Pourquoi mon Joy-Con est. Ouais, bon, bizarre. Je vais lui casser la gueule après le live pour qu'il marche. Bon. Eh ben, elle est partie par là, donc je sais pas ce que je dois faire de même. Est-ce que j'ai un truc pour voir mon Pokémon ou absolument pas? Ah, le sac. Oh, il y a le petit truc, petite icône, c'est stylé. Avec le soin auto, les objets de vos sacs seront utilisés automatiquement pour soigner vos Pokémon dans le menu principal. Passez votre cube bouton moins. Alors, il y a le truc auto là. Soit un Pokéball, bon là j'ai rien. Sauvegarde et ouvre le jeu apparemment. Ça fixe un certain bug. Ah ouais? Faut que je me trompe de touche en fait. Parce que j'ai tellement l'habitude de jouer sur Xbox que. Paramètres, soin auto, ça le met ou pas? Ici. Je vais mettre non parce que j'ai rien fait. Mettre B, voilà. Vas-y, je vais sauvegarder ici. Et je vais réouvrir le jeu. Je vais voir si ça fixe du coup certains bugs comme tu le dis. Alors je vais vous enlever du coup. Je vous épargner ça. Hop voilà. Parce que de toute façon ça va être juste moi qui ferme un jeu. Donc là je vais faire. Tac. Ah, le jeu a crash. Non, j'entends un son. J'entends des sons. Nickel, bon jeu à crash. C'est que le jeu a crash donc c'est un peu chiant. Attendez, je vais voir pour le Joy-Con là. Au pire, on s'en fout. Allez. Je relance le jeu. J'espère que ça va changer quelque chose. Je vous remets l'écran après. Pour l'instant, il n'y a rien.
Oh, c'est beau l'écran de chargement. Et non, vous le verrez pas. J'attends juste de revenir au même endroit. Où on en était du coup? J'ai ma souris par contre. Voilà. Alors on est au même endroit. On se dirige vers le même endroit. C'est parti. Alors attendez, est-ce que ça fixe du coup le bug? Oh mais oui, merci. Ça fixe du coup les bugs des pots là. Merci beaucoup. Alors ici on a une Pokéball, on va quand même la récupérer. On va se concentrer un peu dans le jeu parce que là je suis... Ah non, c'est pas une Pokéball, c'est une... pardon. C'est un objet. Donc là c'est une potion. Bon, j'aime bien explorer mais on fera ça peut-être plus tard. Hein. Et là je trouve un Pokémon méga rare, c'est pas vrai. On peut pas en trouver. Mais... une potion, bon elle s'est éclatée. Oh, il y en a une là. Un antidote. Bon, on va quand même suivre l'histoire déjà. Vous voyez, j'ai pas de Dragon Rift parce que sinon ça bougerait. Ah ouais, il y a carrément une arène là. Bon, l'arbre là-bas qui clignote, ça on va pas le voir. On ne voit rien, je ne vois pas. Eh, par ici! Ah mais je t'ai vu, hein. Y a un énorme truc bleu en plein milieu de la plage. Tu crois pas qu'il y a un problème? Pourquoi on fait pas un combat sur le sable, c'est vachement plus beau. À partir du moment où on a un partenaire Pokémon, on devient un dresseur. Et un dresseur, ça fait combattre ses Pokémon pour qu'ils deviennent plus forts. Moinit, t'es prêt pour le combat? Oui. Super, on va enfin... attendez, il y a des petits pics là sur les côtés, c'est-à-dire que je dois faire... Super, on va enfin passer aux choses sérieuses. Bon, quel Pokémon je vais choisir? Comment ça, quel Pokémon je vais choisir? Tu triches pas, eh? Moi j'en ai qu'un. Mademoiselle Menzi. N'oublie pas que Monique débute tout juste dans le domaine. Bah merci. Merci. Oups, va bien me le rappeler, j'ai failli envoyer mon meilleur Pokémon. Dans ce cas, je vais envoyer celui que j'ai choisi tout à l'heure pour son premier combat. Bah c'est logique, hein. Vraiment. Faut réfléchir 2 secondes. Hein. Je viens de choisir mon Pokémon il y a 2 secondes, elle voulait m'envoyer son truc. Allez, battons-nous Monique. Y a rien de tel pour progresser. Menzi la dresseuse veut se battre. En tout cas ça a réglé le bug des pots de fleurs, ça c'est cool. Menzi la dresseuse en va un... J'ai pas vu. Chouchou dit le go. Bien évidemment. C'est ton premier combat Pokémon? J'espère que ça va te plaire. Là j'aime bien quand il y a des combats. Là j'aime bien. Pardon, je m'en parle. Information. Ok, je m'en fous. Non, je m'en fous, j'ai pas. Attaque, équipe, sac, fuite. Attaque. Charge Rodieu, Flamèche. Bah bien évidemment, hein, Flamèche. Vraiment, il y a beaucoup de ralentissement, le jeu crash. Donc sauvegarder, voilà. Ok. Voilà, ça va pour l'instant. Oui, c'est ça. Le type feu est fort contre le type plante. Tu connais bien les bases. Ah, en fait, il voit. Il est brûlé. Il voit par, en fonction de... Par exemple, si tu choisis une attaque normale, c'est que tu connais rien au jeu, du coup ils vont t'apprendre. Alors que si tu choisis direct un truc de feu, c'est que t'es trop fort. Parce que du coup ils vont moins t'apprendre le jeu. Enfin, ils vont pas t'expliquer. Mimique. Oh non, ma défense baisse. Et moi je lui fais un flamèche, mon gars. C'est super efficace. Tout sachet ennemi est KO. Moi, comme des petits ralentissements, des petits lags, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Oh, tu te débrouilles bien. Ouais, 300 Pokédollars. Ça alors, t'as gagné alors que c'est ton premier combat. T'es super doué. Désolé, cri, j'ai oublié de faire. Tu vas devenir un dresseur rempart, ça je te le garantis. Désolé pour vos oreilles. Puisqu'on est là, j'aimerais bien tester une autre stratégie. On se fait un autre combat? Ah, lui va dire non. Si je puis me permettre, je pense que Monite et Chouchoudil ont besoin de reprendre des forces.
Oups, je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Ah mais c'est fou ça de pas pouvoir. Je suis pas schizophrène. Oups, je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Je me concentre un peu, désolé. Pardon, désolé, chouchoudil. Remettons ça plus tard, moi je veux dire. Tu peux compter sur moi. Vous venez à peine de vous rencontrer, mais je constate que vous vous entendez à merveille. Mademoiselle Menzi, je compte sur vous pour guider notre jeune ami. Il a tout à apprendre d'une dresseuse de rang maître comme vous, qui a un Pokémon. Ça marche. Au fait, Moni, j'ai un truc pour toi, ça devrait t'aider pour débuter. Bon, j'ai l'air un peu con, mais c'est marrant. C'est une appli? C'est une appli, t'as un téléphone? Passe-le moi, je vais te l'installer. Allez, doucement, et... En plus, mon téléphone, il vole. Parce que c'est un modisme. Mais maintenant, ouvre le Pokédex. L'appli Pokédex enregistre automatiquement tous les Pokémon que tu captures. C'est notre prof principal, Monsieur Jack, qui l'a développé. C'est une appli super pratique. Tu en as besoin si tu veux devenir un vrai dresseur Pokémon. Ouais. De mon temps, nous devions rédiger nos Pokédex à la main dans des cahiers. Je dois avouer que ces nouvelles technologies nous rendent la vie bien plus facile. Vous deviez tout écrire à la main? Ça devait être galère, j'imagine même pas. Oh oh oh, c'était une autre époque. Oh, je le fais bien. Ça se trouve, c'est ridicule. Bah, c'est même ridicule. Mais s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est l'émerveillement que nous ressentons quand nos regards croisent celui d'un nouveau Pokémon. Vous en ferez l'expérience, vous aussi. Bah, étant donné que c'est une nouvelle génération, effectivement, je connais pas les Pokémon. Et vous verrez, à mesure que votre Pokédex se remplira, vous percevrez au fond de vous un réel sentiment d'accomplissement. Il ne tient maintenant qu'à vous de déployer vos meilleurs efforts pour compléter votre Pokédex. Sur ces belles paroles, je vous laisse, je dois aller m'entretenir avec vos parents. Mademoiselle Menzi, puis-je compter sur vous pour accompagner Monitor Academy? Vous me rendriez un grand service. Bien sûr, sans problème. Bon, je sais pas faire une bonne meuf. Hein. Je fais ma voix normale. Vous m'envoyez ravi. Bien, quant à toi, tu vas donc... Viens donc avec moi. Quoi? Oh là là, le live de la honte. Oh là là. Quoi? Ah, j'ai pas vu. Vous entretenir avec vos parents. Ah, je sais pas si elle a rendu ça, mais... Laissez-la d'arrêt tranquille, c'est bon. Laissez-la tranquille. J'aime les combats plus que tout, mais c'est vrai que remplir Pokédex, ça compte aussi. D'ailleurs, je pense à un truc. T'as pas encore capturé le Pokémon sauvage, j'imagine. Je vais te montrer comment on fait. On ira à l'école après, suis-moi. Comment ça, suis-moi, tu cours là? Mais... Alors ça, vous voyez, c'est pas possible. Elle vient de disparaître. Elle a disparu là. Double... Double bourse. Dans tous les sens, ton message, il fonctionne. C'est horrible. Appuyez sur le bouton pour ouvrir l'application Pokédex de votre petit smart. Vous pouvez également, pourquoi je suis flou, ouvrir le Pokédex depuis la carte en appuyant sur le bouton X. Vous savez que ma caméra coûte 200 euros. Ma caméra là. Elle me rend flou, fou, tout le temps. J'en ai marre. Pourtant elle est... je l'ai réglé et tout mais... Leçon à voir avec Menzi. Boîte PC, paramètres, sauvegarder, sac. Ok, bah ça je m'en fous hein. Ok, c'est avec la carte, pardon, faut faire. Ouais, y'a un petit problème sur la... qu'au niveau de la map en fait, mon Joy-Con, il bouge mais très légèrement. C'est pas grave, je vais zoomer, on va sélectionner ça. Non, on va sélectionner ça, j'ai dit. Pardon, j'ai fait définir annuler. Ça veut dire, on va même pas mettre de... Je suis vraiment pas doué, c'est incroyable. Bon, on va la suivre, on va pas besoin de mettre la carte en vrai. Ah si, Pokédex, c'est là que je voulais aller. Carte Pokédex. Le Pokédex, combattez ou attrapez les Pokémon pour remplir la bibliothèque. Les Pokémon attrapés figureront sur la tranche des livres. Appuyez sur le bouton X depuis l'écran de la bibliothèque pour voir les récompenses à la clé et le nombre de volumes débloqués. Appuyez sur le bouton plus. Je baille. Appuyez sur le bouton plus lorsque vous consultez le volume dédié à une espèce de Pokémon de voir son habitat. Ça vous aidera à la trouver. Partez à l'aventure dans différentes zones et essayez de rencontrer le maximum de Pokémon.
Attrapé 1, combattu 2. Oh, c'est des sortes de cartes un peu. C'est stylé. Je vais voir ça par exemple. Poussacha rencontré, crocodile. Chochodile, pardon. Pokémon Crocofeu. Si je fais détail. Si je fais détail. En français. Sa poche à flamme est trop petite pour contenir toute l'énergie qu'il produit. Le surplus s'échappe et est vacillant par la cavité de la tête. Ok. C'est stylé. Animation. Animation écrit. Ok, je ne ferai pas ça. Habitat. Zone inconnue. Nickel. Bah c'est logique en même temps. Ok. Je peux voir. Ok. Ah, c'est stylé. Et du coup, ce Pokémon-là, je l'ai pas attrapé, mais je l'ai rencontré, donc c'est sa maison, non? Bah, c'est pas mal. X, et là, c'est quoi? Ah, je me suis trompé de touche. Attendez. Je me suis retrompé de touche. Attendez. Pokédex. X est là-haut. Ok, donc t'obtiens des trucs quand tu captures des Pokémon, t'obtiens des récompenses. Bah let's go, on va y aller. Pourquoi la caméra est aussi zoomée? Je sais pas. Non, en vrai, ça va. Donc vous voyez, tu m'as dit de relancer le jeu, ça m'a bien aidé. Bon, ça vient de faire apparaître les lumières que maintenant, mais... Il y a des Pokémon que je connais pas, forcément c'est la 9ème génération, donc j'ai hâte. Oh non, qu'est-ce que tu fais là, maman? Arrête. Oh, mon cœur. Alors comme ça, Mendy t'accompagne à l'école. Oui, madame, Moni t'es entre de bonnes mains, vous pouvez compter sur moi. Je suis contente que tu sois déjà fait une bonne amie. J'ai dit non, moi, pour être sa pote. Hein. Alors moi, j'ai dit non, mais le jeu, apparemment, il veut pas. J'ai lu le prospectus de l'école tout à l'heure, et apparemment, les enseignants, ils sont tous. Ils sont tous plus remarquables les uns que les autres, pardon. En plus, tu vas pouvoir profiter de tous les équipements à loisir, c'est merveilleux. Avec Mehdi à tes côtés, ta rentrée ne peut que bien se passer. Foi de maman. Comment ça, foi de maman? Qu'est-ce qu'elle raconte? J'espère que tu te plairas au campus de l'école. Je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Alors pense à manger équilibré. Tiens, prends ton casse-croûte et cet argent de poche. Attention, pas de gaspillage. Recevez le sandwich. C'est pas un sandwich, c'est le sandwich. C'est le sandwich. Objet rare. Je sais pas si c'est si rare que ça. Un casse-croûte composé de divers ingrédients. Des légumes, de la viande, et servi entre deux tranches de pain. Idéal pour un pique-nique. Merci pour le... sandwich. Oh, j'ai oublié, prends aussi ceci. 5 potions. Mettez les potions dans la poche soin. Utilise-les pour soigner ton petit partenaire s'il est blessé. Mon fils va prendre son envol loin de la maison pour toute la première fois. Je suis ému. Que je suis ému. Je vis des instants heureux, d'autres moins. Mais nous deviendrons de précieuses expériences. Si tu as besoin d'une pause, n'hésite pas à rentrer à la maison pour te reposer. Bah, pour l'instant, l'expérience, c'est ton visage là, il a fait. C'est l'expérience que j'ai, maman. Tu es bizarre. Alors, je vais me faire boire une petite boisson. Pour tenir le live parce que j'ai envie de faire pas mal de temps d'avancer. Donc il faut que j'ai un peu d'énergie. Pas trop parce qu'après sinon je vais hurler. Après je vais faire n'importe quoi. Sur ce je vous laisse, faites attention sur la route. Et je vais voir le je vais voir le proviseur. A tout à l'heure. Elle est gentille ta mère, je l'adore. Mais en fait, je devrais te montrer comment capturer des Pokémon. Oui, effectivement. Mais tu joues à l'air cool, oui c'est vrai. Par ici. Ah. Là je suis content, elle a pas despawn comme ça. Le son Pokémon, bon je m'en fous, hein, je vais pas aller voir. Y'a un Pokémon qui a l'air stylé sur la map, mais on verra plus tard. Pour l'instant, il faut que j'apprenne à l'attraper. Route de Chuchalaga.
Regarde, Money, c'est la route de Chuchalaga. C'est sur cette route que commence notre aventure. Quand on quitte la ville pour s'aventurer sur les chemins ou dans les hautes herbes, on peut trouver des Pokémon sauvages un peu partout. Mais il faut faire attention, car quand on s'approche de trop près, ils nous attaquent. Mais t'en fais pas, avec Chuchodil à tes côtés, t'as rien à craindre. Et pour capturer un Pokémon, je suis sûr que tu sais déjà ce qu'il te faut. Eh oui, une Pokéball! Tiens, je t'en donne quelques-unes. T'en fais pas, j'en ai plein d'autres. Ah bah merci. 5 Pokéballs. Il y a Radin. Un objet semblable à une capsule qui capture les Pokémon sauvages. Il suffit pour cela de lancer comme une balle. Gougou. Ah, tu tombes à pic, toi. On passe à la pratique, Monite. Vas-y, bats-toi contre lui. Explose-lui la gueule. Non, c'est pas ça. Ah, il a fait un bon perso. Parce que vous combattez un Pokémon sauvage. Vous pouvez essayer de l'attraper en envoyant une Pokéball avec le bouton X. X, c'est là, ok. Parce que je joue pas beaucoup à la Switch. Hein. Vous avez du mal à attraper un Pokémon, lui infliger des dégâts avant de lancer la Pokéball. Vous augmentera vos chances de succès. Si on le bute, eh ben, c'est marrant. J'ai fait une charge, ça va le buter, non? Non, c'est bon, je pourrais en faire plusieurs. Là, je peux faire une charge, mec. Charge! Attention, attention. Pas trop fort, faut pas le buter. Et là, X. Ah. Pokéball. Oh, la texture de l'herbe! Oh mon dieu! C'est horrible! Et hop, vous avez attrapé le grand mollet. En même temps, je lui ai mis deux charges dans la gueule, à mon avis. C'est comme ça un Pokémon, tu tabasses les animaux pour après les capturer. C'est un peu horrible. C'est comme ça. Pokémon enregistré. Les données de grand mollet ont été ajoutées au Pokédex. Vous donnez un surnom à grand mollet? Là, je vous laisse à peu près 30 secondes. À chaque fois, je vais boire. Et si vous utilisez les 1500 points. Je crois, ou 1000, je sais plus, 1500 pour renommer Pokémon. Là, je choisirai le surnom que vous avez mis. Vous pouvez le mettre, hein. J'ai fait exprès pour que vous puissiez l'ajouter. Attention, il faut bien choisir un surnom. Et bah, je pense que non, personne ne voit d'objection à ça. Très bien. Grommelé a rejoint votre équipe. Après 1500 points, c'est cher. Du coup, c'est une sorte de livre. En fait, c'est un. Ouais, c'est original. Hourra, t'as réussi du premier coup. Tu te débrouilles super bien. Faudrait que tu m'apprennes tes techniques parce que moi, je suis pas très doué. Tiens, prends des Pokéballs supplémentaires. Il vaut mieux en avoir car les captures sont pas garanties à tous les coups. Vous recevez 10 Pokéballs. Vous mettez les Pokéballs dans la poche Pokéball. Pourquoi j'ai lu ça? Si je peux te donner un conseil, affaiblis les Pokémon avant d'essayer de les attraper. Merci, c'est ce que j'ai fait. Sur ce, je vais te laisser entraîner à combattre et capturer des Pokémon sauvages. Merci. On se retrouve au phare, il y a une super vue sur notre école là-haut. Mais elle devait pas m'emmener à l'école, elle? Parce que à la base, elle va se faire engueuler. Hein. Alors, les Pokémon que vous pouvez voir dans les hautes herbes ou encore dans les grottes par exemple sont des Pokémon sauvages. On se raconte. En contact avec un Pokémon sauvage, ça déclenchera un combat. Afin de lancer un combat, vous pouvez également lancer une Pokéball dans la direction Pokémon sauvage en appuyant sur le bouton ZR. Ici, cette technique afin d'affronter des Pokémon qui volent ou qui sont perchés dans les arbres. ZR, ok, je sais pas ce que c'est. Bon, on verra. Direction le phare. Alors, moi je veux bien, d'accord. Mais t'es pas censé m'amener à l'université. On va récupérer les petits trucs quand même. Pokéball 1. Alors non, je vais pas vous attraper vous. J'en ai déjà un, j'en ai pas dit ça. Moi je vais attraper lui par exemple. Voilà lui. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. J'utilise une Pokéball direct. Hein.
Parce que là, si je lui mets un coup de boule, le mec il est niveau 2, il va crever. Bon, forcément, je l'attrape, il est niveau 2. Le problème, c'est que j'ai jamais joué à la légende Arceus, donc les trucs de combat comme ça, je connais pas. Fil de tisse en boule. Ah, tisse en boule, je l'ai. Un surnom, étant donné qu'on va en capturer plein. Hein. Alors pourquoi il clignote comme ça le Pokémon? Il va se calmer hein. Bon voilà, pas abandonné. Il y avait un Pokémon là mais du coup ils se sont barrés. Forcément je viens de pardon. Excusez-moi, je viens de tabasser un de leurs confrères donc je comprends qu'ils sont un peu énervés. On va essayer de compléter le Pokédex hein. Non, pas vous, cassez-vous. Toi, t'as l'air bien gros, mon gars. Sans vouloir insulter qui que ce soit. Niveau 3, bon, on va direct tenter Pokéball. Hein. Bon, voilà, niveau 3, en vrai, ça, c'est nickel. Forcément, c'est la première zone du jeu. T'es pas obligé de tous leur tabasser la gueule avant. En plus, je gagne des niveaux, je fais absolument rien. Champ canon. Carnivole. Bon, je connais déjà ce Pokémon, mais. Un surnom, non? Ok. Alors, rejoins notre équipe. Juste pour avoir les Pokédex. Hein. Il y en a qui m'ont regardé bizarre là. Oh, il y a un passe rouge là-bas. Là, j'ai vu ici un larvi machin là. Mais vous. Quoi? Il l'a tabassé. Mec, il fallait pas faire ça. Ça j'ai déjà ça. Mais il a cassé la gueule. Salut Assume, ça va? C'est sur Unity, ah, c'est bien ça. Bon il loue le machin là, allez là. Ah mais j'ai envoyé mon Pokémon, il lui a cassé la gueule. Il va voir ton stream Pokémon, ça va et toi? Bah ça va. Le jeu est un peu bugué mais en fait je l'ai relancé, ça a été. Toi arrête de me regarder, t'es bizarre. Alors là je cherche bah, des Pokémon. En fait, j'ai envoyé mon Pokémon pour en capturer un, il l'a tabassé à mort. Du coup, c'est un peu horrible. Bon, moi, il gagne des niveaux facilement, hein, mais. Là, je récupère des objets. Je peux pas sauter. Je peux me mettre à copier. Mais arrête, toi, il est bizarre ce mec. Ah, c'est bon. Un rappel, ok. Un granivole, j'en ai déjà un, cassez-vous. Est-ce que je peux le tabasser comme ça, regarde. Bam. Ah ouais, ça marche, hein. C'est, genre, c'est vraiment un combat rapide. Il fait tout seul. Si je fais ça, ça le reprend. Non, mais arrête-toi. Bah alors, toi. Tu t'approches pas, mon gars. Non, arrête de tous les tabasser. Arrête. Reviens. Il a tabassé tout le monde. Mais il est fou ce Pokémon. J'ai pas resté car j'aurais joué à Noël, j'ai pas besoin de me spoil. Je te comprends. Et bah j'espère que ça te fait plaisir. Mais ouais je te comprends. Bah en tout cas mec, bah bonne soirée tout ça. Bonne soirée. Alors moi je récupère super bonbon. Et ouais te spoil pas sur l'histoire hein, si tu vas voir le jeu. Franchement j'aurais fait pareil. Moi c'est un peu le Noël en avance quoi. Ouais il est bien, bon il est un peu bugué par contre. Alors toi quand tu l'auras à Noël il sera moins bugué.
Vas-y. N'hésite pas à me donner des nouvelles de ton jeu. Ton avancement. Bon, récupère là. Merci. Bon, on va capturer ce genre de... Non, fais pas ça! Il va le tabasser, donc je vais aller dessus parce que sinon il va le tabasser. Alors on va pas le tabasser, on va le direct Pokéball dans la gueule. Bam! Bon, il est niveau 2. Gourmelet, il gagne un niveau. Pourquoi pas? L'épée d'Oni. Un surnom? Vous utilisez vos points pour un surnom ou pas? De toute façon, c'est un Pokémon que je vais pas trop utiliser, hein, donc pas fou. Là, il y a des passes rouges. Et comment je sais s'il y en a un qui est bien? Ok. C'est quoi ça? Ça, je viens de l'avoir. Le carapace rouge. Attendez, je récupère juste ça, les mecs. Hop. Est-ce qu'il y en a un qui veut te capturer, par exemple? Regardez, les mecs, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5. Qui veut venir dans mon équipe? Toi, allez. Viens dans mon équipe, passe rouge. Je fais Pokédex, hein. À niveau la première mimique. Ok, bah passe rouge, c'est nickel. Bon, ça je connaissais déjà comme Pokémon. Nickel. Alors tout le reste j'ai déjà, donc bon. Enfin j'ai en mode ça m'appartient, mais bon. Je l'ai déjà capturé, je veux dire. Ouais, tout ça j'ai dans cette première zone. Ça clignote un peu, mais c'est pas grave. Je vais suivre le chemin. Peut-être grimper un peu là sur la colline. Ici, il y a un truc. Une baie au rang. Ok. Ah. Moinette, alors tu t'en sors? Tu captures plein de Pokémon? Fais-moi voir combien tu en as. C'est horrible. A plus, Sébastien. Hein, qu'est-ce que c'était? Wouh! En fait, il fait déjà, pourquoi je le fais? J'ai jamais entendu vraiment pareil, ça se trouve, c'est celui d'un Pokémon puissant. Mais dites, allons voir d'où ça vient. Par contre, fais gaffe, il y a une grotte super dangereuse dans le coin, évite d'y aller. Attention à ne pas tomber dans la falaise. Les motismars sont équipés d'un système sécurité anti-chute, mais quand même. Ah, je vais me jeter dans la falaise, mec. Je m'en fous du cri mystérieux, moi. Je vais ramasser des huiles. C'est quand même vachement plus intéressant. Bon, les granivoles, tout ça, j'ai. Ok, bon, bah, c'est juste là. Adios mon gars.
Il a failli mourir, mon gars. C'est ciao. Un Pokémon mystérieux est effondré, à bout de force. Si vous lui donnez quelque chose pour le remettre sur pied. Ah, le sandwich. Pas con. Ah bah là, il veut mon sandwich, hein. Ah, il m'a grillé le sandwich que ma daronne avait fait. Ah bah il est content. Ah, la grotte. Comment mon personnage y sait? Tu vois, il a deux armes turbo. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il y a, réacteur au cul? Ah ouais, ils avaient dit ne va surtout pas dans la caverne. Moi j'y suis allé direct. J'ai sauté dedans. Bon après c'est parce que lui il y va. Hein. Hey oh monite! Ah t'es là, ça va, rien de cassé? Ça va. Tant mieux, tu m'as fait une de ces peurs. Ah bah là je serais mort, terminé pour elle. Elle va se faire buter juste après. Ça avait été blessé jusqu'à cause de ma... à cause de ma risée, je me serais pas pardonné. Enfin pas importe, maintenant il faut qu'on te sorte de là. D'abord essaie de remonter, quand tu seras assez proche, je te tirerai de là avec une capacité Pokémon. Ah elle a pas vu le truc là? Je m'en fous mais... C'est quoi ce Pokémon qui a... Il a l'air super fort. Il veut que tu le suives. Eh bah c'est ce que je fais. Waouh. Mais là je suis mort hein, dans le jeu. Il vient de me faire écrouler un rocher sur la gueule. Là je suis décédé. Oh là là c'est incroyable. C'est aussi fort que mes Pokémon. Voire même encore plus fort. Ferme là deux secondes. Bon, je vais pas faire un combat maintenant. On fera plus tard les combats. On reviendra ici. Les mangoustes, les topiqueurs, tout ça. On captura plus tard. Bon, t'avances là? Pardon. Je devrais dire. Waouh, c'est beau. Où est-ce que tu veux m'emmener? Déjà que t'as essayé de me tuer là avec. Oh les. Des trucs là. Leur cri est ridicule. Il y a des molosses, des malosses pardon, assez violents.
Heureusement que t'as le garde corps avec toi. Fais gaffe, ils sont super balèzes. T'inquiète, mec. Meuf. Ah non, il va me tuer. Bah voilà, là je suis mort. En fait, là tu casses des cailloux comme ça devant un gosse, tout s'écroule sur sa gueule. En plus, ça importe. Là, je suis décédé. Mais bon, ça fait deux fois donc c'est pas grave. Même trois. Il y a plus que les rochers, quelle puissance incroyable! J'aimerais trop le voir de plus près. Eh, tu me le voles pas, hein? C'est mon Pokémon. Wanit, fais gaffe, quelque chose approche de toi. Attention derrière toi. Non mais t'es mal à la tête du truc que j'ai là. Comment ça niveau 40? Mais mec, je suis mort mais. Ah ouais, bien évidemment, je peux même pas faire une attaque. Wow, il y a une armée en plus. C'est incroyable. Mec, t'as un cyber robot de la mort, tu peux les buter en deux secondes. Enfin, les buter, les mettre KO, bien évidemment. Il m'a sauvé! Eh oh! Par ici, dépêche-toi! Wow! C'est complètement folle cette. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est fou. Ça alors, j'arrive pas à croire que tu t'en sois sorti. T'es à deux doigts d'y passer. Pas vraiment, hein, mais bon. On va faire semblant que. Ah, il est mort. Wow, qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il était tout à force et que ça l'a épuisé. Top 2 Pokémon que je vois. Bah c'est logique. Et d'ailleurs, bah c'est bien, faut faire ça. D'ailleurs c'est quoi ce Pokémon? Il ressemble à un Motorizard mais j'en ai jamais vu un comme ça. En plus il a changé de forme, tu crois que c'est normal? Aucune idée. Toi non plus t'en sais rien? On n'est pas très avancé. En tout cas t'es sain et sauf, c'est tout ce qui compte. En fait tu t'es pas même battu tout à l'heure. Tu faisais qu'un avec ce Pokémon mystérieux. Vous avez affronté le Démolos. Hein? Tu lui as donné aucune instruction pour attaquer? Du coup c'est pas encore tout à fait ton Pokémon. Bah c'est un Pokémon légendaire, tout qui. Oh regarde, il a l'air d'aller mieux, c'est rassurant. Je crois que c'est son cri qu'on a entendu tout à l'heure. N'empêche, plus je regarde, plus je trouve fascinant ce Pokémon, il y a plein de mystères. Quand il aura rejoint ton équipe, j'espère que tu me laisseras l'affronter. Si on échange un numéro, ça servira certainement plus tard. Elle est bizarre cette meuf hein. Elle essaie de me faire passer un message je crois. Je donne cette TT aussi, elle serait utile contre les adversaires plus simples. Météor, ah ouais, mais c'est... carrément. Elle me donne la TT Météor comme ça. J'ai bien mal utilisé car elle disparaît une fois que tu en es servi. Je sais. En tout cas, après toutes ces émotions, on a bien mérité une petite pause. Donc on va poser en haut du phare. Et tu... Je dois pas aller à l'école parce que ça fait. Vraiment, hein. Pas lui parler à machin. Bon allez, on va avancer dans l'histoire. Tout le monde veut pécho ou quoi? Ah mais je crois que c'est le jeu tout le monde veut pécho. Enfin tout le monde pécho tout le monde en fait. Proviseur est pécho la daronne, elle est pécho, tout le monde pécho. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait là lui?
Et vous aussi, qu'est-ce que vous faites là? Mais tu suis pas le parcours... Tu suivrais pas le parcours littéraire par hasard? Tu t'appelles Pepper, c'est ça? C'est le fils de Toroum, le professeur Pokémon. Ah, même pas mon père là-dedans, ok? Le mec, il a le nom d'une boisson et il va la fermer. Hein. Voir ce qu'il fait ici, ce Pokémon, et sous cette forme en plus. Il m'a sauvé la vie, je veux dire. Attends, on a entendu un autre de cri. En cherchant son origine, Monite a glissé. De la falaise. Et ce Pokémon l'a sauvé. Mais je crois qu'il était toutes ses forces et depuis, il est tout raplapla. Pourtant, avant de prendre cette forme-là, il était hyper fort en combat. Ouais, je sais, mais sous cette forme, il peut pas faire grand-chose. Surtout pas se battre. La vraie forme de Miraidon, c'est celle qu'il adopte au combat. Miraidon ? C'est son nom ? Comment tu sais ça ? Tu pourras pas rentrer dans le labo, inutile d'essayer. J'ai fermé la porte à clé. J'ai jamais vu dans le coin, toi. Mais t'as le même uniforme que nous. Oui, énervé comme ça. J'imagine que t'es de notre académie. Énervé. Miraidon, c'est pas le genre de Pokémon à se laisser adouer par n'importe quel dresseur. Ah oui, c'est quel genre de Pokémon alors? Si tu veux t'en occuper, faut d'abord que je teste ton niveau en combat. T'es prêt? Oui. Ah, je vois que t'es motivé. Effectivement, ouais. Ça tombe bien, je voulais me changer les idées. T'as intérêt à être à la hauteur. Tu vas voir mon gars. Pepper le dresseur veut se battre. Pepper le dresseur envoie un rond gourmand. En vrai, j'adore ce jeu. Beaucoup plus que épée et bouclier. Je pense que je continuais. On est ras-le-bol qu'on parle de mon père. Ça m'appelle trop de mauvais souvenirs. Ah oui, c'est un dépressif lui. Je se passe en Espagne. Quel message Game Freak veut nous faire passer? Ah ouais, en Espagne. Mais en gros, bah lui, Flamèche, hein, mon gars. En fait, c'est Flamèche direct, y'a pas de. Le rond gourmand ennemi est KO. Il se tape tout le monde. Ah, je crois. Hein. Oh non, j'ai perdu avec un rond gourmand niveau 5. Tu es trop fort. Tu te défends plutôt bien. Là, je lui raquette 300 Poképièces. Bien joué, Monite. J'avais aucune chance avec un Pokémon que je viens à peine de capturer. Ah, bah ouais. En même temps, c'est un peu con. Enfin bref, si tu comptes vraiment emmener ce Pokémon, prends ça. C'est une Pokéball qui sert à le contrôler. Pokéball de Miraidon, carrément. Pourquoi t'avais ça sur toi? Au moins, j'ai réussi à me débarrasser de cette Pokéball. Allez, salut. Avec qui il en a? Eh, je suis pas transparente, hein. Le mec, il y en a rien à faire, c'est incroyable. Et arrête de sécher les cours, ok? Il a fait coucou. Tu prends pour qui, ce gars? En tout cas, il avait l'air d'en savoir plus que nous sur ce Pokémon. La prochaine fois, ce que je crois, je soutirai des informations par la force de mes Pokémon. Allez, on monte en haut du phare. On peut voir l'école de là-haut. Je dois toujours aller à l'école, hein. Ça fait 25 minutes, là. Non, ça fait une heure au moins. Une heure que je dois aller à l'école. Direction le sommet du phare. Bon, ça va aller, hein. Je vais y arriver. Zone sud numéro 1. Regarde, là-bas, c'est ma salle et d'eau. Ah, c'est laid. C'est laid, c'est extrêmement laid, regardez. L'école, c'est quoi déjà? C'est l'école raisin. Tu vois le bâtiment avec la grosse Pokéball? C'est notre école.
Bah c'est vraiment laid hein. Le mec faut vraiment charger les textures. Et on va mettre dans la même classe, j'ai tellement hâte. Moi aussi j'ai hâte. On est vraiment fait pour s'entendre. On va prendre plein de trucs et surtout on va faire plein de combats. La vue est superbe depuis le phare, pas vrai? Bon on va accélérer un peu parce que j'aimerais bien me casser la gueule d'ailleurs. Les montagnes, les prairies, les forêts, tout ça à perte de vue. Ah. Parce que du coup vous me voyez là mais en vrai l'écran est là. Ah c'est dégueulasse. C'est moche. Toute cette nature regorge de lieux fantastiques. Ah bah je crois pas hein. Qui eux-mêmes regorgent de Pokémon qui attendent une chose, t'en rencontrer. Tout le monde me pécho dans le jeu, même les Pokémon. D'ailleurs, je t'ai pas encore souhaité officiellement. Bienvenue à Paldea. Bref, faut y aller maintenant. Comme tu peux le voir, il me reste encore pas mal de route. Commençons par nous, on a Plateau Hill, c'est sur le trajet. C'est parti! Avec plein de oui. En route pour Plateau Hill. Sauvegarde en cours. Je lis absolument tout ce qu'il y a sur l'écran. Route de Chuchalaga, vous voyez? Je lis absolument tout. Il y a un machin à l'arbre là, mais j'ai déjà. Carnivore, j'ai déjà. Ça, je l'ai déjà. Attends, je vais me récupérer ça. Est-ce que je peux envoyer mon Pokémon lui casser la gueule? En combat rapide. C'est incroyable ça. Je peux vraiment faire des combats en 2 secondes sans rien faire. S'il y en a un qui me regarde mal, je vais casser. Dans le jeu, bien dans le jeu, je parle. Doucement. Une baie cerise. Zone de la paralysie des Pokémon. Zone C numéro 1. Ah, un dresseur. Allez, on se bat. Vas-y mec, on se bat. Quand on est dresseur, on se salue avant de se défier en duel. Mec, il fait un mètre... Il fait même pas 1 mètre. Il fait 50 cm le gosse. Dimitri, le gamin, va se battre. Et lui, il a déjà un Pokémon, lui. Tissamboule. Ah, je l'ai. Ah, salut Camille, ça va? Alors, attaque. Bon, Pokémon plante, Flamèche. Ah, il me dit qu'il est super efficace. Bon. À l'époque, dans mon temps, de mon temps, c'était pas comme ça. Hein. Tissamboule et KO. Allez, mon gars. Rentre chez toi. Passe rouge, il monte de niveau. Bah, ça va, mec. Super. Là, j'avance dans le jeu. Je suis qu'au début pour l'instant. Tes Pokémon sont trop forts. Bah, je t'en ai montré qu'un, mec. Et j'en ai plein. C'est bon, je l'ai racketté. On peut passer au suivant. Oh, un psychoquack, je le veux. C'est stylé. Ah, doucement. Les effets de la méthode se dissipent. Niveau 6, on va tenter la Pokéball direct. Hein. Oh, la texture est vraiment dégueulasse. Hein. C'est vraiment horrible. Faut que je trouve mon Pokémon favori. Ah ouais? C'est lequel ton Pokémon favori? Aïe! Ah ouais, du coup, ouais, c'est super efficace. Sans, il me faut pas un truc de super efficace. Moi, je dois juste le. Evoli. Ah bah, bien sûr. Moi, je dois juste lui mettre des petits. Ah, mais. Ah bah, ouais, il va me niquer mon Pokémon. C'est logique en fait, hein, mais. Bon, d'accord, c'est horrible les textures. Ouais, c'est vraiment moche, hein. Attendez, il est quel Il est type eau, donc il me faut une petite plante. Insecte. Ouais, bah j'ai. Allez, toi là. Envoyé au combat, mon gars. Oh là là, mais la caméra passe à travers le sol, mais. Bah, level, on va juste une Pokéball, ça rentre. Ah, c'est ce que j'ai fait, ça va marcher. Ou électrique, oui aussi. Mais j'ai pas d'électrique. Que je peux lui mettre une charge dans la gueule pour voir ce que ça fait.
Oh mec, tu me fais quoi là? Moi je fais faire des charges. Est-ce que j'en fais une dernière pour le... pour lui casser la gueule un peu. Bam. Voilà, c'est bon, on va pouvoir lancer la Pokéball. Ne bute pas mon granny ball s'il te plaît. Merci, bon là ça devrait passer. Hop, un psychoquack. Donc petite cinématique qui a un peu galéré mais. Niveau 9 mon chouchou deal là. Ok bon je m'en fous. Un surnom non. On va l'inclure dans l'équipe. Hein. Type O il nous faut. Alors attendez, on a chouchoudé le type feu. Ça je sais pas, ça c'est nul. Là on a beaucoup de types plantes, un deuxième type feu. Je pense que Gourmelet on peut le dégager. Hein. Voilà, ça dégage. Boîte PC, je sais mec. Je sais comment ça marche, hein. Mais merci. Psychoquack. Comment ça, du V de Psychoquack? On lui a arraché la peau. Les plumes. C'est horrible. Ok, bon, il y a plein de Psychoquack partout. Oh, il est bien, lui. Il n'y en a pas d'autres? S'il y en a d'autres. Bon, on va prendre le premier. Hein. C'est, va dire que c'est le premier que je rencontre, donc on le capture. Ça capture un max ici. J'ai beaucoup de vie. Azuril, on va prendre, vous savez quoi? Mon grand niveau là. Voilà, on va au combat. Bon c'est long là, cinématique. C'est quoi cette herbe dégueulasse là? C'est quoi cette herbe dégueulasse? Mais le bute pas hein. Non c'est bon. Bon il est... je vais prendre un petit Volvi, j'espère qu'il va pas le buter. Ah ouais ça lui fait même rien du tout d'ailleurs. C'est pas de type O. Ah ouais? Ah ouais bah... bon je vais lui faire une charge et puis après ça dégage. Bah mais là mais il y a rien. Il prend aucun dégât le ref. On peut lui faire des Volvi genre un max. Ah si ça marche. Du coup on va attendre qu'il soit moins dans le orange, enfin dans le jaune de sa vie. Au moins moi ça me... vas-y t'y se rempête mec. La meilleure attaque du jeu, trempette. Hein. Bon, moi je regarde ma vie, lui il fait des trempettes. Trempette ce que tu veux, mec. Moi je m'en fous. Je te vole ta vie. Je te rassure, c'est pour te capturer après. Aïe, ça par contre ça fait mal. Ça fait pas si mal que ça. Donc. Ah voilà, là il est dans le jaune. Là, à mon avis, ça passe. Hein. Trempette, ah cool. Ils sont vraiment débiles dans les Pokémon. Rien ne se passe forcément. C'est le principe. Allez bim. Là normalement c'est bon. Let's go. Azuril. Est-ce qu'il est type O Azuril? En vrai on va... on va le remplacer mais bon. Il est quand même level 7. Et type fée là. Normal effet. Ouais bah pourquoi pas, on va le garder. On va l'inclure dans l'équipe. Je pense que Tissamboule il va dégager. Hein. C'est pas que je t'aime pas hein, mais Tissamboule t'es un peu débile.
Pourquoi vous restez autour de moi, les mecs? Ah, vous voulez ça? Pas de problème. Mec, c'est tellement rapide des combats comme ça, c'est trop bien. Oh, un musté éboué. Je le veux. Je te veux. Viens là. Il y a trop de Pokémon à attraper, OMG. Ouais, j'ai vu. Level 5. Bah, lui direct. Hein. J'ai plus de Pokéball. Ah ouais, bah, c'est logique. Il y en a vraiment beaucoup. Regardez le nombre de Pokémon qui est en arrière. Oh non. Ça va être chiant. Tu vois, ça, c'est chiant, ça. Il est en full type O. Lui, normal vol, en vrai, c'est pas utile. Lui, type insecte, en vrai, c'est pas utile non plus. En vrai, granivol, il est bien parce qu'il a vol vie. Ça, c'est bien. Peut-être qu'il se régène en même temps, il a fait deux. Le Pokémon Clover en même temps. C'est pas le même style de jeu de Pokémon. Ouais, c'est plus vieux, plus ancien. L'attaque de Granivol baisse. Oh non, pas mon attaque. Je déconne, je m'en fous. Oh mec, c'est tellement efficace. C'est super efficace. Bam, donc là, toute ma vie, elle est presque... Voilà, donc là, rugit mec. Fais des... Je m'en fous. Parce que là, je vais te capturer, mon gars. Faut que je fasse gaffe, du coup, à plus avoir des Pokéballs. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de trucs à capturer. Musté boué, let's go. Bienvenue dans mon équipe, mon gars. On va l'inclure dans l'équipe. Il y a beaucoup de types O, mais bon. Bon, lui, il est type même pas O. Allez, l'épée de nid, lui, il est vraiment nul, là. L'épée de nid, tu dégages. Allez, on avance un Pokédex. Poil de Musté Boué, c'est absolument horrible. C'est-à-dire que je lui ai arraché ses poils. C'est quoi là-bas? C'est un Grignot? Oh non, j'ai cru que c'était un Grignot. J'étais en mode, ouah, trop bien. Ouais, t'es éclaté. Y'a pas un moyen de voir si les Pokémon sont puissants ou sont spéciaux? Un Magikarp! Est-ce que j'ai envie d'attraper un Magikarp? Je ne sais pas. Alors, c'est... Bah d'accord, hein, mais... Mais non. Moi, je veux pas de... Il y a vraiment des Pokémon bizarres. Oh, les Axoloto là. Vas-y, toi, mec. Toi, je t'aime bien. On va quand même changer parce qu'on va prendre notre Granivol, il est bon. Tout le monde est en train de crever, hein, vraiment. C'est pas la façon, on l'encapture et puis après. Axoloto MG, je l'aime trop. Oh, il est incroyable. Et pourquoi il est en couleur comme ça? Il est pas bleu normalement. Je l'ai capturé pour toi, mec. Allez, vol vie, mon gars. Oulop. J'aspire son âme. Forme de Paldea. Bah, je me doute. Merci. Je me doute, mais je préférais bleu, moi. Là, ils sont tout gris, tout moche. Et bon, je n'en veux pas, hein, c'est pas sa faute. Alors là... Ah ouais, bah il est tout boueux, mec. Moi, je préfère quand il est stylé. Un peu d'eau. Bon, allez, Pokéball, faut que ça passe. Change de type au PC, je crois. Ah ouais. Ok, bon, let's go. Faut vous me guider, hein, sur les types et tout. Alors, j'ai une feuille, justement, avec tous les types. Poison sol. Oh bah lui, on va le garder. Hein. Un Tarsal ou ça? On va la clair dans l'équipe. Je pense qu'on va garder Granivol en truc et on va enlever
Passe rouge, parce qu'on a déjà un Pokémon level 10, type feu. Et poison sol, on n'a pas. J'en ai attrapé un. Ah, stylé. Ils sont flippants. Hein. Waouh, waouh. Regardez, il y a deux yeux là qui me regardent. Ils font peur, les mecs. Mais les mecs, il y a trop de Pokémon, c'est trop. C'est quoi cette boule de truc là? Oh, c'est bon, double type ça. Toi, ça fait plus rien. Plante aussi, c'est super avantageux. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un bon type. J'attrape quoi? J'ai attrapé l'évolution, non? Ça, c'est pas l'évolution de ça. Rien à voir, hein. Là, c'est un caniche, là, c'est un truc bizarre. Mais c'est quoi leur gueule, là? Désolé, hein, mais ils sont moches, quoi. Oh, j'aime trop ce Pokémon. Mais j'ai plus de Pokéball, moi. Attendez. Faut que je... Non, c'est la sous-évolution de Rondoudou. Le truc moche. Ah, mais c'est horrible. Donnez-moi un Rondoudou direct, hein. Pas un truc moche comme ça. C'est laid. En plus, au combat, je suis sûr que ça fait rien. Après, voilà, mais... Oh, ils m'ont tous fait... Voilà. Est-ce que je peux le tabasser en une seconde? Ah non, il va mourir, mon Pokémon. Oh, je les ai tous fait fouiller. Tiens, toi, t'es vachement prêt. T'es vachement proche, toi. Oh, il y a un Tarsal là-bas. Mais il y a trop de Pokémon dans cette région. Combien? Level 2 là? Ok, pas du tout. Ça, c'est quel type fée là? Vous savez quoi? On va tester notre Axolotl. Attendez, je sais plus moi. C'est type fée. Petit poison, c'est efficace, je crois, en plus. Normal, je dirais, je crois. Ah ouais, c'est vrai qu'il... Je pense qu'il peut même pas être psy ou fée. Tellement il est sous-évolué. Oh, je vais tirer de la boue dans la gueule. En plus, sa vitesse baisse. Du coup, il fait une photocopie. Quoi? Comment ça, une photocopie? Waouh! Il m'a tiré un tir de boue dans la gueule et il a mis KO mon Axolotl. Mais ça va pas? Je vais pas fuir face à ce truc là. Très de test. Ouais, ça a l'air bien en vrai. Mais c'est quoi ce bordel? Psychoquack, tu vas venir toi. Bon, après, j'irai dans la ville. Ah, c'est qu'après, il va me lancer une mission. Moi, je veux le Tarsal là qui vient de passer. Je peux lui faire un choc mental pour le choquer mentalement. Normal effet, un type combat efficace. Ok, bah j'en ai pas. La défense augmente. Alors, Pokéball direct, mon gars. Bon, j'en ai marre de me faire exploser là. En fait, je fais même pas un combat, hein. Juste j'essaie de les capturer, sauf que c'est chiant. Bon, là, on va capturer le Tarsal parce qu'il est quand même très stylé. Soit tout doudou, en vrai, ça dégage. Hein. Dernier niveau avec solo, tout, ouais, allez, ça dégage. Un surnom, fallait les choisir avant. On va l'envoyer dans une boîte PC. Ouais, il est type fée, mais bon. On s'en fout de type fée. Hein. Peut-être plus tard, mais. Alors, il y a un Tarsal là-bas. Il y a lui là qui est derrière moi qui me fait très peur. Arrête de me regarder comme ça. Allez, un Tarsal, on va capturer. Viens là, mon gars.
Et il va être niveau 2. Non, ça va. Équipe, alors on va envoyer un mec. Voilà, à son niveau à peu près. Hein. Pas un type haut parce qu'on va se faire bouffer. Allez, Granivol, vas-y. Tarsa, il est quand même stylé comme. En fait, son Volvil là. Volvil absolument incroyable. Beaucoup de Gardevoir aussi. Bah ouais, c'est pour ça que je le capture. Parce qu'en évolution, il est incroyable. Bon, joleuse, et ça va pas. Je te vole ta vie, mon gars, je m'en fous. Voilà, allez. Bon, il me reste 8 Pokéball, ça va. J'ai encore capturé plein de malotrus. Est-ce que je le mets dans l'équipe, lui? Je ne sais pas. En fait, j'avais quand même envie qu'il évolue en Gardevoir parce que c'est absolument incroyable comme Pokéball. Je crois que je vais mettre à la place de. Psy effet quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Je vais l'inclure dans l'équipe. Psy effet. Bah non, du coup, c'est pas du tout un plante. Hein. Je vais pas le mettre à la place de Garnibol. J'ai trop de Pokémon de type O. Mais c'est vrai, je l'aime bien. Parce que quoi que je l'aime bien, Azuril, non, bof. Donc on va peut-être le mettre à la place d'Azuril. Et voilà, Tarsal. En vrai, il est un Gardevoir, il est incroyable. Et puis, Psy effet. C'est quand même pas mal comme truc. Hein. C'est... Je pensais que c'était plante, mais en fait, non. Il y a un petit Coco qui est en train de mourir, là. Non, il dort, pardon. Parce que vous savez que la différence est difficilement visible. Bon, faut que je capture une de ces merdes jaunes là. Et après, c'est bon. Je vais pas faire un combat avec lui. Hein. Parce que il va m'exploser, j'ai plus de Pokémon. Où sont les merdes jaunes? Je préfère Galam perso. Timmy, mon rival, bref. Bah, Galam, Gardevoir. Bah, les deux, c'est bien. Hein. C'est mieux Galam, mais. Quoique, je sais pas. En fait, je sais pas, je m'en fous. J'ai pas trop de jouer avec ces Pokémon comme ça, donc. Je pourrais pas dire lequel est mon préféré. Là, y a plein de trucs de fil. Ah, c'est ça que je veux. C'est toi que je veux. Bon, c'est le dernier qu'on capture. On va faire garde de voir. Et bah, battez-vous dans le chat, battez-vous. Patachio là. Ah, de. Fais pas ton Patachio. Bon, Tarsal, on va tester, d'accord? Il va crever en 2 secondes, ça va être marrant. Les gars, dans le chat, cassez-vous la gueule. Insultez-vous, moi je préfère lui, moi je préfère. Là-bas, ils ont des gouttes qui sortent de leur tête comme ça. C'est vraiment pas cool. Ça, franchement, c'est pas cool. C'est quel type ça? C'est normal ça comme type. Il m'a explosé mon Pokémon avec une léchouille dans la gueule. Dernier vol, tu vas me calmer ce gars là. Vole-moi sa vie là. Non mais plus. Plus que ça là. Bon, ça va, ça fait rien. Moi je continue à lui voler sa vie. Hein. Ah, il est quand même bien Granivol là. Un Pokémon type plante qui utilise Volvi comme ça. C'est cool. Hein. Je peux bouger la caméra. Ah, c'est bien. En mode réalisateur le mec. C'est Spielberg du combat Pokémon. Oh,
Ouais, bon là ça va aller. Même s'il me fait quelques points de dégâts, je revole juste après. Et puis là il me fait ça là, qu'est-ce que ça fait rien du tout. Là j'ai fait ça une dernière fois et après je vais pouvoir le capturer je pense. Voilà. On va pouvoir lui jeter une Pokéball dessus. Il me fait pas une charge si vous... Il m'a fait une charge. Dans ma tête j'étais en mode, est-ce qu'il va me faire une charge? Et ben il m'a vraiment fait une charge. Quel enfoiré. Let's go. Alors on va pouvoir aller à la ville soigner le Pokémon et affronter le dresseur le Jean-Kevin là. Bon, on a une équipe à peu près complète. Patachio, t'es quoi type fée? Ah non, j'ai déjà deux types fées. Ah non, pas de surnom et on va l'envoyer dans une boîte PC. Moi je t'aime bien Patachio, mais franchement, c'est pas incroyable. Tarsal, là c'est incroyable comme Pokémon. Bon, je crois qu'on a tout. Hein. Ouais, je crois qu'on a tout. On va aller soigner notre Pokémon. Il y a notre Tarsal là. Histoire de pouvoir faire le combat là. Comment je soigne enfin, je sais comment faire hein, mais. Est-ce qu'il me soigne? Ah voilà, c'est là. Il me soigne. Et moi, par ici. Ça, c'est un centre Pokémon. J'avais bien compris. Hein. On peut faire un tas de choses pour tes Pokémon. Vous pouvez lui expliquer comment ça marche ici? Je sais, non. Bien entendu, ouais, je m'en fous. Soit les Pokémon, visiteurs. Moi, vous vends des trucs parce que j'adore l'argent. Achetez des potions, des Pokéballs. Prends le League ou Pelle comme moyen de paiement. C'est incroyable ça. Un PL, un Poké dollar. C'est-à-dire que tu tabasses des gens et tu ça fait de l'argent. Une machine à CT. Créer des CT. Ah, on peut trouver des échantillons et créer des CT. C'est cool ça. Elle a toujours plein de trucs. Elle me dit tiens, je tunnel, j'en ai plein. 5000 PL. Oh là là, mais. Tu veux tester online bah, pas pour l'instant. On est qu'à 2 heures de live. Puis j'ai envie de continuer tout solo. J'ai trop de trucs à faire en fait. En cas de difficulté, là pour t'aider, ouais, je m'en fous. Toi, ça allait de base, toi d'aller. Ah, mais j'ai testé tout à l'heure, hein. Il casse la gueule. Hein. Bouton R et par devant, soit combattre, soit ramasser des objets. Il commence un combat automatique, ouais, j'avais remarqué. Oui, bah, bien sûr. C'est logique. Ok. Bon, tu me laisses tout seul parce que moi à la base, bon, sauvegarde s'il te plaît. Merci. Moi j'ai juste soigné mon Pokémon. Hein. Mes Pokémon. Ah, je vais enregistrer mon anniversaire avant. C'est quand même plus important mes Pokémon. Le jeu est. Eh oh! Bon, j'ai tout fait bugger. Let's go. Je crois que mon anniversaire, il voulait pas le connaître. Ouais, j'ai vu. Tu appuies sur X. Et la bonne partie avec cadeau mystère, tu peux avoir un Pikachu. Oh, stylé. Jeu à crash. Ouais, j'ai vu. J'ai répété deux fois la même phrase, hein. J'ai vraiment un problème. Bon, bah, on va relancer ça. Tintin. Et mes Pokémon ne seront même pas soignés du coup. C'est abusé. On relance le jeu. Ça fait deux fois. Hein. Peut-être que ça va régler des bugs du coup. Le jeu dit que j'ai joué que 50 minutes. Non, j'ai pas joué 50 minutes. T'as pas intérêt à enlever ma sauvegarde, sinon je vais péter un câble.
Bon, bah, je crois que ma sauvegarde va être niquée. Un vrai plaisir. Non, c'est bon. Nickel. Pourquoi ça m'a dit que j'ai joué que 50 minutes alors que... Bon. Ah bah, ma sauvegarde a fonctionné, je suis heureux. Bon, moi j'en étais où? Alors, mon anniversaire du coup. Non, je connais, je vais pas le faire. Parce que j'ai pas envie que mon jeu crash. Voilà, soigne mes Pokémon. Tintintintintin. Merci d'avoir attendu, votre équipe a retrouvé la santé. Peu si vous avez, mais. Ok, mais je sais, mec. A bientôt! Ouais, au revoir. J'ai besoin de rien, peut-être des Pokéballs, non? Je vais regarder ce qu'il y a. Acheter. Est-ce que je peux vendre mes Pokémon et faire du trafic? Vraie question. Hein. Alors, Pokéball, ouais. Poképoupée, c'est quoi? Ok. Quitter. Bon, on doit combattre le dresseur là-bas, là, sinon on veut bien avancer dans l'histoire. C'est faux, hein, il sert à rien, mais bon, j'ai envie de le faire. Pourquoi il n'y a aucun Pokémon là? Spawnez les gars. J'ai soigné mon Pokémon, je m'en fous. Attends, on va peut-être choisir l'ordre du coup. Oh, il y a beaucoup trop de trucs. Hein. Boîte PC, Poképortail, paramètres, sac. Pas sac, Alors on va faire dans l'ordre ici, plante, déplacer, alors feu, eau, non c'est eau pardon, c'est quoi quoi comme Mustéboué en vrai, non c'est pas ça que je voulais faire, déplacer, on va le foutre là, Granivol on va le déplacer. Il le fout en troisième. Ensuite, qu'est-ce qu'on a électrique? Bon, là, c'est des trucs type fée un peu bizarre. Donc, on va faire comme ça. C'est juste pour que ce soit beau. Hein. Ok. Bon, on va les combattre lui. On va bien choisir les types, bien faire les. Si tu me bats, je t'apprendrai un truc super. Ah, ça va t'éclater ce qu'il va m'apprendre. Félicite l'étudiante de se battre. J'ai envie de tester un Pokémon, moi. Un autre. Et par contre, de Mustéboué, il a pas de pistolet à eau, choc mental, y a rien. Ah, ils me disent qu'il est efficace. Mais c'est incroyable. Il me dit direct ce qui est efficace ou pas. Il y a trois trucs qui sont efficaces, il y en a que deux, là il y en a. On va demander un peu à notre. Lequel est le niveau le moins élevé? Mustéboué, tiens, il n'y a aucune attaque en plus. Type O, je pense qu'en fait, vu que c'est un type normal, ça marque que c'est super efficace. Ouais, j'ai vu. Enfin, j'ai pas vu là, mais je sais que ça fait. C'est quand même incroyable ça. Oui, merci Camille pour la. Merci, j'avais remarqué, mais ça fait plaisir. Et du coup, c'est si tu peux aller dans choisir Pokémon et te mets directement lequel prendre. De rien, MDR. Vas-y. Mustéboué là, tu vas t'apprendre à combattre hein, parce que. Attendez, étant donné que je suis le Spielberg du combat, je vais un peu changer ça. Voilà. Là, c'est quand même plus beau. On est comme sur un live, faut que ce soit un minimum. Allez, terminé mon gars. C'est Granivol qui monte de niveau.
Alors que c'est lui qui combat, mais bon. Gradivol va prendre plus toxique. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Suggestion. Gradivol veut oublier Trempette. Bah oui, mais je... Mais c'est excellent, ça. Vas-y, bah je suis ta suggestion, mec. Et c'est bien, il fait tout seul le jeu. Il joue tout seul. Il me dit directement tout ce que je dois faire. C'est bien pour les gens qui débutent, en vrai. T'as eu toutes les suggestions, qui les attaques et tout. Et c'est... Oui. Oui. Et là, par exemple, j'ai Parasport. Qu'est-ce qu'il veut me faire? Suggestion. Quoi? Ne souhaite pas. Alors ça non. En fait non, mauvaise idée, ne faites pas ça. Il a dit qu'il veut pas la prendre, alors que ça empoisonne, mais ça va pas. Mimiqueux, ça pue, on va le mettre. C'est quoi, je vais le faire tout seul, hein, parce que ses suggestions, c'est un peu éclaté en fait. Hein. Peut-être qu'il a raison. Hein, mais... Pour Trempette, oui, mais là non. Il y a donc... C'est quoi ça là? Je passais mon temps à... Poudre dodo. Pousse autorifique qui endort la cible. Poudre toxique là, pousse autorifique. Il dit quoi lui? Ne souhaite pas la prendre, tu arrêtes ça. Enlève parasport, c'est mieux poudre dodo. Ouais, t'as raison. Tu as raison sur ce coup là. Pourquoi Granivol et il apprend 40 capacités, mec? C'est incroyable. Vous avez battu, félicitations. Bah merci, ça fait 20 minutes. Tu sais, la meuf elle est battue, elle attend comme ça. Bon, il est long lui, qu'est-ce qu'il fait? J'ai perdu pourtant, mais mon Pokémon avait tous ses PV. Y'a pas un Pokémon super rare qui apparaît là d'un coup? Et là je fais waouh et je le capture et je deviens le meilleur dresseur. Ok. Non. Du coup là j'ai débloqué un lieu de téléportation, d'après ce que je vois sur la carte. C'est pas sûr qu'il attaque, mais 0 poudre 2, 0 chance. Ok. Ça c'est bien ça. Et là je vais avoir ici. Activation de logiciel. Quelle opération vous le voulez faire? Créer une CT, échanger des sentiments contre des PL, créer une CT. Mais c'est incroyable, regardez. Coup de bouche je peux le faire, abri je peux le faire, charme. Ça je peux pas, je crois. Ouais, il manque des trucs. Mais c'est incroyable. Par exemple, là, imaginons j'ai un Pokémon. Par exemple, type feu. Il me dit, tac, non, il te manque ça. J'ai un Pokémon type électrique, croc éclair. Mais là, c'est n'importe quoi. Oui, c'est vraiment abusé, par contre. Hein. Par exemple, là, je veux météore. Je peux le fabriquer, mais... C'est trop là, c'est trop. Je veux par exemple Tranchère qui est une attaque absolument énorme de puissance. Je vais prendre une attaque très puissante. Bon, les attaques au fond là, par exemple Météor. PL requis 200 quoi. Et j'en ai 5000, mais. Mais mec, c'est tellement abusé. Échantillon des échantillons. Ça, je peux faire. Ah, on peut directement. Imaginons que t'as pas les ingrédients. C'est cool, météore, ouais, je sais. Et là, par exemple, t'as pas assez de trucs. Hop, il manque un ingrédient, tu peux l'acheter. Enfin, de grouper et tout. Eh, mais c'est vraiment abusé. Hein. Bon, on va kiffer le jeu normal pour l'instant, on a pas besoin de tout ça. Peut-être racheter des Pokéballs. Hein. C'est cool, les Pokéballs. Voilà, on va acheter. Payer en liquide, payer avec des PL, c'est incroyable. Après les antidotes, potions, tout ça. Franchement. Il
Mais ouais, c'est vraiment abusé. Tu peux carrément choisir. Hop, je vais faire ça. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup des trucs, hein, mais. C'est vrai que c'est abusé. Bon. Et ben, on va avancer peut-être. Parce que là, on reste beaucoup au même endroit, mais. Faut avancer dans la vie. C'est beau ce que je dis. Oh, le Vivaldin. C'est incroyable. Là, je dois aller à droite, je suppose. J'aimerais avoir un Pokémon. Moi, je veux un Gourmelet. Ok, je m'en fous. Comment il s'appelle ce Pokémon? Béquipan, pardon. Ah oui, c'est le facteur. C'est vrai. Dans l'animé, il y avait ça. Stylé. On peut pas voler les Pokémon des autres et les rendre en esclavage. Joyeux à plus, bon jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille. Il y aura peut-être. Il y aura probablement, très probablement, la rediff sur YouTube en entier. Donc si jamais tu veux revoir justement la fin, tu as du temps libre, et ben n'hésite pas. Bonjour madame, tu te rends à l'école? Sur ce bon vent. Toi-même bon vent là, elle me dit bon vent là. Vas-y, je vais sauvegarder parce qu'elle me l'a dit. Moi je suis quelqu'un de bien. Genre là je peux faire soin auto par exemple sur lui, avec moi. Et hop, ça le soigne. Bon, ça m'a utilisé des potions, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On est à 2h12 de live. On a commencé à 22h. 22h moins 5. Il est minuit 6. Comment ça il est minuit 6? Ah ouais, ça fait 2h. Moi j'ai envie de jouer là. J'ai envie de m'arrêter maintenant. Et ben on va continuer, vous savez quoi, parce que c'est mon live et c'est moi qui décide. Ok, toi j'étais déjà là. T'es un peu éclaté d'ailleurs. C'est quoi cette horreur? Alors t'es premier que je rencontre donc je vais te capturer, mais. Tu es une horreur, mec. Tu es une abomination. C'est vrai. C'est quoi ça, c'est. Charge, je vais faire. J'ai bien fait de racheter des Pokéballs en fait, hein. C'était un bon choix. Juste Boué qui gagne un niveau. Skokwok aussi. Ah, enfin une attaque d'eau pour Juste Boué, ce qui est quand même bien. Un surnom, on a un. Bon, toi tu vas aller dans une boîte PC mon gars, parce que poison normal. Je les repère moi à l'œil les Pokémon et toi. Toi t'es pas incroyable. Sans vouloir discriminer. Là. Un petit para. Un petit lac ici. Qu'est-ce qui se baigne là-dedans? Est-ce que si je tourne la caméra en entier, je regarde? Ok, y'a rien. Si peut-être, tu vois, on sait jamais, comme dans Cyberpunk, tu tournes la tête et bam. Oh, je le veux. Le Pichu. Juste faire des charges. Hein. Voilà, bah nickel. Une charge. Ok, il m'a statique tiqué. Mais t'inquiète pas, mec. Aïe, mais je dois pas attaquer, je vais juste lancer une Pokéball. T'as le Pikachu spécial gratuit en cadeau aussi. Ah, il est où? Est-ce que tu sais comment on fait pour l'avoir? Je sais que tu m'as expliqué, mais. Je sais pas comment on fait. Poil de Pikachu. Ah, ouais, donc imaginons, je veux par exemple un item.
Pour une CT, bah, je dois capturer le Pokémon. Et ça me fait des... Je vais l'inclure dans l'équipe. Hein. Poképortail cadeau mystère. Alors attendez, on a deux Pokémon haut, ça va pas. Et un Pokémon comme ça. Je pense qu'on va dégager Psychoquack. Moi je préfère me stébouer. Désolé Psychoquack. Mais il me faut un électrique. Hein. C'est obligatoire. J'ai peur que ça... Pourquoi j'en ai pas moi? Est-ce qu'il y a un code ou pas? J'aimerais bien l'avoir. Pourquoi je l'ai pas? Peut-être qu'il faut que je me connecte à via internet. Et j'ai peur que ça explose. Je crois que je suis même pas connecté. Au pire, je testerai en off. Je ne sais pas, j'ai pas envie que ça fasse tout crash. Tiens, toi, t'as l'air de bien me regarder. Je vais te mettre dans mon équipe. Champ canon, ça fait quoi? Bon, on va faire charge. Alors, on peut pas faire sac. Antidote. Paralysie, il est paralysé nous, hein. Tipara je crois. Non il est pas paralysé, il est... Il faut une baie. Bon, je crois que c'est paralysie, on va utiliser, vas-y. Si c'est paralysie. Hein. Tiens. Ah c'est bon, c'était ça. Vas-y, bah, je me connecte à un train internet et puis je teste. Y information. Ok, ça fait juste ça à la fin. C'est éclaté. Hein. Est-ce que champ canon ça va faire un truc mieux? Oh, ça a failli le buter. Bon, moi ça m'a bien avancé dans ma quête. Hop, je peux le capturer. Mais c'était extrêmement énervé. Hein. Ça a failli le buter. Là, c'était super efficace, il était mort. Bon, bah, allez, hop. Un rond au gourmand. Bon, ça, c'est nul comme Pokémon. Hein. Je l'attrape pour Pokédex. C'est bien que je vais pas le mettre dans mon équipe. Je pourrais, mais faire une stratégie avec un rond gourmand. D'ailleurs, je fais aucune stratégie, moi, je m'en fous. Je joue comme ça. De toute façon, je suis vraiment nul en Pokémon. Je connais vraiment les bases, quoi. Ça, j'ai pris du coup cette fiche là pour m'aider. Oh la plaine là-bas, là où il n'y a pas d'herbe, c'est vraiment horrible. Bon, on va ramasser des petits machins qui brillent. Des potions, machin. En même temps, du coup, on explore s'il n'y a pas des Pokémon. Défense P, voilà, bon, on découvre des trucs. Ah, une CT repos. Ok. On va attendre d'avoir une équipe. Oh, ici il y a des nouveaux Pokémon. Ah, je peux même pas y aller. Ah, c'est dommage. Bon, on ira plus tard. Quand on pourra. Bon, faut que je capture du coup les Pokémon de cette zone là. Je ramasse du coup des trucs qui brillent. Après, faut pas que je m'éloigne trop parce que le but c'est quand même que j'aille à destination prévue. Allez, machin. Bon, je vous connais déjà. Hein. Bon, c'est quoi, je vais pas aller là. Je sais pas là où je dois passer. On passera plus tard au pire. Je ramasse déjà pour plus tard les trucs. Cela on le fera plus tard. Enfin, je le ferai plus tard. Que je sais pas. Je sais pas si je vais faire tout le jeu en live. Parce qu'étant donné que. Des fois je vais juste. Ah bah toi je te connais pas. Je pense pas que je vais jouer des fois. Je
Champ canon, j'ai peur que c'est le but. Je vais faire charge. Si ça lui fait rien, je ferai champ canon. Ok, si ça lui fait rien, je vais faire champ canon. Aïe. Je vais faire champ canon, écoute. C'est pas mal puissant donc. Pas très efficace. Ah merde. Si je fais flamèche, ça le bute ou pas? Non, ça le bute pas. Oh non, il va me faire un flamèche. Aïe aïe aïe. Bon, je te soigne après, mon gars. D'abord, je capture ce Mandai. Vous avez attrapé Mandai. Ce qu'on fera, c'est que. Tous les samedis soirs, je ferai un live sur ce jeu. Et pendant la semaine, je vais jouer. Et du coup, vous n'aurez pas le jeu, le let's play en entier. Mais à chaque fois que je reprendrai, je serai à un niveau différent. Puis dès que ce sera la fin, je le ferai avec vous. Oui. Suggestion, qu'est-ce qu'il me dit? Oubliez gros yeux. Vas-y si tu veux. Je regarde cette suggestion et si c'est nul, je fais la mienne. Voilà, ouais, pourquoi pas. Hein. Gros yeux, ça fait pas grand-chose. Ok, ils apprennent des trucs, c'est super. Le Mandai, nouveau Pokémon. J'ai plus attrapé de Pokémon pour l'instant en niveau temps. Pokémon Roche, ouais, non, c'est pas dans ma stratégie de mettre un Mandai. Bon, à la base, moi je suis censé aller. On va peut-être rester sur le chemin là, on s'éloigne un peu. C'est vrai que je m'éloigne beaucoup, mais bon. Je dis un peu, mais en fait, je m'éloigne beaucoup. D'ailleurs, en parlant de chemin, il y avait ça à récupérer. C'est sur le chemin, donc on va récupérer. Bam bam bam. Ici aussi. Alors, il y a un dresseur, on va le faire, je pense. Parce que c'est le chemin qui mène. Attendez, je récupère des trucs avant. En fait, là c'est pas stratégie, là c'est on capture plein de Pokémon, voilà, on fait un peu notre équipe. Et après, dès qu'on fait les... Oh bah toi, bah attends. Ah mais ça va trop loin l'abeille là. C'est quoi, on va quand même le soigner notre... Toi là, hop. Notre Pichu, on va le soigner aussi. Si jamais on doit faire de la stratégie Pokémon. Oh lui alors là. Bam. Toi je te veux dans mon équipe. Bon, je vais faire juste une charge, hein, mais... A mon avis, voilà, il est un peu faible. J'en refais une pour être sûr. Allez, j'en refais une. Pas de coup critique. Non, c'est bon. Ah, bah j'en ai attrapé plein, des Pokémon, là. Parce qu'à chaque fois que j'en attrape un, ça sauvegarde, j'espère. Parce que le flemme de le refaire, là. Apitrini. Mustébouille monte de niveau, non même pas. Insecte et vol. Ah je sais pas. Consultez le résumé de l'équipe. Un numéro d'idée et tout. Mustébouille. Attendez, on a quoi? Feu. Type terra cristal. Ah ouais, mais ça s'en fout. Feu, eau, plante. Mais lui il est plus vol que plante. Mais bon, il est quand même plante. Électrique. Psyphé. Poison. Est-ce qu'il me faudrait autre chose? Insecte et vol.
Non, en vrai, on va le mettre dans une boîte passée. Au pire, on... plus tard, on pourra toujours le récupérer. Peut-être du coup fermé, moi. Ici, là, hop. Ok, donc, ouais, ça sauvegarde bien. Check Pokémon. Ok. Bon, on va dire qu'on part du coup de cet endroit-là. Et vas-y, là, on fait vraiment le chemin. Et là, on va affronter du coup ce dresseur. J'ai fini mes courses maintenant, on va s'amuser. Et au moins, on se fait pas agresser par le dresseur, on doit aller le voir. Ça, c'est bien. Je vais me proposer comme un Pokémon, pas vrai? Bien joué. Gwenaëlle, l'étudiant, veut se battre. Allez, stratégie Pokémon là, j'utilise ma fiche. Après, je connais pas son Pokémon, donc techniquement, si je fais information par exemple. Ok, bah moi je sais rien du Pokémon du coup. Moi je sais talent, feu. Bon, je sais que c'est un Pokémon de type plante, ça se voit. Donc on va garder ça. Et on va faire des flamèches hein, à mon avis. Voilà, pas besoin de feuilles pour stratégie. Hein. Là c'est easy. Voilà, bah on a gagné. Croquine. Ah, y'a un Pichu là-bas qui se balade. Mustiboui qui gagne un niveau. Aïe aïe aïe, c'est pourtant pas les seuls sur les mandales. Comment ça que j'ai eu 220 là? Lui il est curieux, là-bas il y a un Pichu mais on a déjà un. Là ils dorment tous ici, on va les laisser dormir. Hein. Ça toi je t'ai déjà capturé, t'es extrêmement laid mec. Sans vouloir te... Tout ça on a déjà, ok, bon. Donc on en a fait hein. Du chemin. Alors on va combattre ce gars avant d'accéder ici à l'objet. Trop cool ce Pokémon. Allez, stratégie Pokémon mec. Montre-moi ton Pokémon trop cool que t'as attrapé. Isaac le gamin. Waouh, c'est quoi ça? C'est quoi comme type? Attendez. Bah il me le dit non? Non il me le dit pas. Ne dis pas étant donné que j'ai jamais combattu. Là je vais utiliser ma fiche. Alors attendez. Quel type ça peut être ce Pokémon? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon il est niveau 5 donc une attaque je le fume. Mais j'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie de vraiment d'être à fond dans le truc. Donc je vais installer. J'ai installé une appli vite fait. Pour voir de quel type il est en fait. Et pouvoir mettre le bon Pokémon en face. Si j'ai bien sûr. Alors vous allez me dire, ouais il est niveau 5, tu mets une attaque, tu mets charge et c'est bon. Mais moi je veux faire les choses bien. Moi je suis dans la stratégie, je suis pas dans le bourrinage. Hop, je fais que des flamèches tout le temps. Faut que je choisisse. Je fasse une bonne équipe composée de Pokémon bien utiles. Donc oui je vais rester sur cet écran pendant 20 minutes. Il est minuit et demi. Et oui alors. Allez, charge là. Chercher par nom. Bon c'est bien, le nom est affiché.
Aucun Pokémon trouvé. Ah, tu te fous de ma gueule là. Toutes les versions de jeu, il me trouve pas. Toutes les gènes. Est-ce qu'il y a la 9? Oui, il y a même la 9. Tous les types. Bah mec, alors. Tout montrer. Ah mais du coup, là, c'est un nom anglais. Ah non, même pas. Mais pourquoi il y est pas? Attendez, c'est vraiment bizarre. C'est un 9e gène ça, ou avant. Bon, je sais pas ce qu'il veut pas. Hein. Tout ça pour un vieux Pokémon, hein, que je suis tout seul à essayer de combattre. Alors c'est quoi cette appli de merde? Je vais chercher une autre appli. Désolé mais... Ils sont chiants aussi hein. Ils sont chiants à faire des trucs. Je tape le nom de Pokémon et il sait même pas. Alors que c'est écrit qu'il a 1000 Pokémon dans le truc. Mais mec sérieux, c'est pas un Pokémon inconnu hein. Même moi j'ai déjà vu. Même sur une carte, je crois que je l'ai. S'il vous plaît, mettez-le moi, quoi. Mettez-moi son type, je veux juste savoir ça. Pour savoir quand est-ce que je peux le casser la gueule. Non, c'est des simple Pokédex, c'est implication simple. Ok, bah let's go. Ah, comment il doit se faire chier, mon Pokémon. Le mec en face aussi. On m'appelle le Spielberg du combat. Voilà. Là on voit bien le... On comprend bien le... Ça c'est une belle vue. Voilà, bon, ce sera mieux comme ça. Et c'est fou quand même. Hein. Bon, moi ce sera fait pour après pour les autres combats et tout. Moi je vais juste faire un peu de la stratégie, m'entraîner parce que j'en fais jamais. Moi d'habitude, j'appuie sur les touches là. Enfin, forcément j'ai joué quand j'étais gosse mais... Je mets des attaques au pif et puis voilà. Ah, j'aimerais bien être un peu plus stratège. Bah là voilà, il me le trouve. Merci. Comment ça type O? Je suis bête. Ok, donc il faut soit plante, soit électrique du coup. Donc équipe. Alors soit plante, donc on a du coup notre Granivol. Soit électrique, notre Pichu. Et bah on va prendre notre Pichu et on va l'envoyer en combat. Bon en vrai une attaque c'est plié hein, mais... Franchement c'est beaucoup mieux là, cette appli là. Moi il me le trouve celui que je cherche. Même j'ai son évolution, j'ai tout en fait. Alors tu me fais pas ça parce que moi je te fais un petit éclair mon gars. C'est super efficace, bah bien évidemment. Je sais mec. Terminé mon gars. Tout ça pour faire un combat hein, de 10 secondes. Mais au moins j'ai une appli qui va m'aider pour les combats. Ah bon, ça suffit pas d'être cool dans la vie? D'être trop cool dans la vie. Et bah... Bah non, ça suffit pas mon gars.
Y'a encore des gens qui regardent Twitch à ce temps là. Je sais pas. Et quelle heure, minuit et demi? Bon, vers 1h du mat on arrêtera. Moi je vais quand même continuer à jouer parce que franchement, ce jeu est vraiment incroyable. Je n'arrive pas à me lasser. Pour l'instant. Il est énorme ce granivole. J'en ai déjà un. Vas-y, je soigne mes Pokémon. Qui s'y connaît en combat? Moi, mec. Félicitations, je me présente, la Ligue Pokémon. Je sens que les combats, ça vous connaît. Si vous parvenez à 24 dresseurs ici, dans la zone sud numéro 1, vous aurez droit à une splendide récompense. Vous avez réussi à 24 dresseurs dans la zone numéro 1? Nom de la Ligue Pokémon, permettez-moi de vous remettre cette splendide récompense. Cage éclair. Ce défi se tient également dans un autre endroit à Paldeon. C'est pas le réveil. Voilà. Voilà, ici, c'est pas utile. Hein. Machine ACT, je sais pas quoi. Bon, on va faire soigner tout le monde. Bonjour, bienvenue sur Pokémon, où sont les Pokémon? Pokémon doit être fatigué, vous voulez faire Pokémon? On va soigner mes Pokémon. Très bien, confirmez votre équipe un instant. Notre équipe change beaucoup d'ailleurs. Mais au moins, elle s'améliore. Notre équipe a retrouvé la santé. Mais... bah je sais pas, je m'en fous en fait. Franchement ça m'intéresse pas, mais merci. Là ça sauvegarde. Ça c'est bien. J'ai envie d'aller combattre lui en vrai. Il me fait un peu de la peine d'être tout seul là. Alors c'est ça Massaléo. C'est ça mec. Je vais essayer de faire des livraisons. Essaye de faire un petit combat vite fait. Vas-y mec, mets-moi des Pokémon. Du coup, pour gérer sur l'application, quand je vois un Pokémon que je connais pas, comme celui-là par exemple, du coup il me dira pas si c'est efficace ou pas. Ménisange. Bon. J'ai pas de type proche. Sol, non. Bon bah électrique, hein, Pichu. Reviens là. Pichu, mon gars, il va l'exploser. À quand les combats avec plusieurs Pokémon? Là, ce sera pas les dresseurs comme ça. Hein. Ce sera vraiment. Ça met les musiques. C'est super efficace, je sais. Arrogance. Pourquoi t'es arrogant comme ça là? Tu vas voir les gens arrogants comme ça. Les gens, j'ai ennemi et KO. Et une victoire pour toi. Pokédex a été mis à jour. Bien évidemment, maintenant j'ai les données. Hein. Enfin, en fait, une fois que tu combats le Pokémon, tu peux savoir ses points faibles et tout. Oh, je l'ai pas celui-là. Il me vient, bah viens. Bon, il est minuit 30. Ouais, on va attendre un peu encore. Tiravi. On va faire une petite charge comme d'hab. Hein. Tester un peu sa puissance. Allez, on va le faire encore une petite charge et puis ce sera bon. Voilà, une petite charge et puis là. En plus, il y a un petit un Pokémon là qui regarde le combat. Tu sais, t'as des spectateurs maintenant pour tes combats, mais c'est des Pokémon. Tiravi. Tarsal qui monte de niveau, ça c'est bien. Tarsal, faut vraiment que je la fasse monter de niveau, elle est forte. Un surnom, non. Type normal, donc franchement. Boîte PC, mon gars. Au revoir. Et toi là, t'es un type électrique.
Mais je te connais pas. Voilà, ça devrait aller. Yop. Pokémon souris. Non. Et ben on va l'inclure dans l'équipe à la place de Pichu. Hein. C'est un Pokémon de la nouvelle gène, un peu en mode Pikachu, vraiment, copie même. Donc on va le mettre à la place de Pichu. Voilà. J'avais pas vu un autre, non? Bon, là, je les connais tous, hein. Non, il n'y en est pas rouge ici. Allez, bah on va soigner les Pokémon et puis on va rentrer dans la ville. Bonjour, bienvenue sur Pokémon. Je sais. Ok. Ah non, elle va encore m'apprendre un truc. Ça, je savais pas, moi, elle m'apprend des trucs. Bon, merci. Moi, je vais aller dans la ville. Ah, bah voilà. Ouais, c'est beau. Hé, hey, Monite! Les Pokémon ont dû bien progresser après avoir affronté tous ces dresseurs. Si on faisait un combat pour mesurer leur progrès. D'accord. Bah, je viens de soigner mes Pokémon, alors là, elle est terminée. Allez, Monite, faisons ce combat une belle expérience. Avant, on allait sur des arènes, maintenant, on peut rien à faire. Hein. Moi aussi, je sais le faire, mon gars. Même si la princesse veut se battre. J'espère qu'elle en a d'autres des Pokémon parce que sinon ça va être un peu chiant. Quand t'es devenu un peu plus fort, je vais utiliser deux Pokémon. Merci. Bon allez. Là on connaît celui-là, hein, super efficace, bim. Terminé. Au revoir. T'as bien des affinités type. Je sens que t'as la rage de vaincre. Ah mais j'ai une application même que j'ai installée, faudrait que je lui dise. Envoie un pomme, veuillez changer de Pokémon. Alors là oui je vais changer. Un quoi qu'elle envoie? Oh non, mon application ne va pas trouver. Je sais qu'il est électrique comme Pokémon. Ah, il y est pas. Allez, dans l'autre appli, étant donné que j'en ai deux maintenant, deux applis. On cherche tout. Ok, bon, l'autre, elle est vraiment nulle, il trouve rien. Vous savez quoi? C'est que c'est un Pokémon électrique, donc qu'est-ce que je vais faire? Défenseur électrique.
Qui proche il me faut. J'en ai pas. C'est pas grave. J'ai un type TNM aussi. Mais c'est pas le Pokémon, c'est surtout les attaques qui comptent. C'est quand on va prendre notre Rexol auto là. On va l'envoyer au combat. Jamais utilisé en combat. Oh, je pensais pas m'en trouver en difficulté. Tu me plais de plus en plus, Monique. Doucement, doucement par contre. Boom. Il n'existe même pas dans mon appli, c'est incroyable. Il n'existe même pas. Ah bah en plus il me dit, du coup, vu que je le connais, vu que je l'ai. Tire debout, il me dit que c'est super efficace, j'ai bien fait de prendre lui d'ailleurs. Non, me battre contre toi, Monique. Non, je vais sortir le grand jeu. Waouh, qu'est-ce que c'est quoi ça? Allez, on peut les cristalliser, c'est vrai. Ah ouais, bah c'est... carrément. Il vient de le cristalliser ou je rêve? Quand un Pokémon se terra-cristallise, terra-cristallise, les capacités de son type, j'ai pas eu le temps de lire. Faut pas m'utiliser, ça n'affecte pas que je l'auto. Tire debout. C'est super efficace. La vitesse de pomme me baisse. Allez, dernier tour debout mon gars, terminé. Allez, forcément ça ne m'affecte pas. Ça, ça t'affecte ça? Bim. Genre elle m'a attaqué, ça n'affecte pas mon Pokémon. Il a fait, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Ça alors, je progresse super vite. Bah je sais. Depuis que j'ai installé une appli, ouais. Ça alors, t'as réussi à gagner alors que j'utilisais la terra cristallisation. Oh mais mince, j'ai oublié, tu peux pas encore utiliser toi. Je vais arranger ça, t'inquiète. Faut dire que t'es tellement fort que parfois j'oublie que t'es encore un débutant. D'ailleurs tiens, pour te remercier de combat, je te fais des rappels. Nous attendons trois rappels. Maintenant, on n'a plus qu'à passer cette porte et on sera à Massa Ledo, où se trouve notre école. Par contre, il y a pas mal de pentes et de marches à grimper dans la ville, c'est un peu galère. Par devant, d'accord? Je vais prendre mon souffle ici, je te rejoindrai plus tard. Petit temps de chargement, on l'a vu. La petite cinématique, c'est pour ça. De cette ville en 3 FPS, cette cinématique en 3 FPS. Avec la petite fleur là-bas qui clignote. Ah, c'est bon, elle clignote plus. Un peu à gerber leur cinématique. Hein. Pas si moche que ça en vrai, mais les plans sont. Tu sais, vu que ça lag un peu, c'est pas si fluide que ça. Hein. En plus, ça fait, t'as les options de vêtements. Ouais, j'ai vu ça. Waouh, c'est cool. Oh non. Bon là je pense que je vais aller fermer le jeu. T'as vu, on est enfin arrivé. Voici Massa Ledo, la plus grande ville de Paldea. Ça refait le truc là, du visage. Pardon. Ceci est un pôle commercial depuis très longtemps. Beaucoup de gens viennent ici pour découvrir les dernières technologies et acquérir de nouvelles connaissances. Il y a un salon de coiffure où tu peux changer de look aussi. Un des restaurants de tapas. C'est passé pour le chargement. T'inquiète. Je sais pas, ils sont allés dans un autre monde là. Waouh. Stop. Il y a un endroit qui t'intéresse en particulier? Un restaurant de tapas. J'adore manger. Tu serais pas un grand gourmand toi? Ah bah, je l'ai dit. T'as raison, on peut pas donner les meilleurs soins en combat si on a le ventre vide. Tu serais pas un peu possédé par un démon? Puisqu'on parle de combat, je vais faire en sorte que tu puisses utiliser la terra cristallisation toi aussi. Il y a quelques démarches à faire pour ça, mais t'inquiète pas, je m'occupe de tout. T'as qu'à profiter pour faire le tour de la ville en attendant, tu verras, elle vaut le coup d'œil. Tu peux arrêter de stopper de clignoter comme ça. Tu peux aller au magasin de vêtements pour personnaliser ton apparence ou aller manger au bout du resto. Je te recommande tout particulièrement les Zocadozio. Ils vendent plein d'objets à faire tenir des Pokémon au combat.
Oh là là, ouais, c'est juste elle qui est buggée, sa tête. Quand t'auras fini ta petite visite, rejoins-moi devant le portail de l'école. Par contre, t'as intérêt à préparer tes poumons parce qu'il y a un max de marche à monter. Ah, waouh. Amuse-toi bien, hein, tout à l'heure. Bon, elle a disparu, tout va bien. Tout vient d'apparaître d'ailleurs. Flemme de relancer. D'ailleurs, bah on va explorer. Hein. Pas comme si ce que tu as. C'est une normale. Pourquoi les gens marchent en 2 FPS? Ça fait quoi, on va relancer en fait? Juste pour la dernière partie du live, mais. Je vous épargne ça, c'est un peu chiant, de toute façon. Tout à sauvegarder, et là je peux faire quitter. Je peux même pas quitter, je crois. Je m'en fous des Pokémon, qu'est-ce qu'il me... Je veux me barrer. Du coup, à chaque fois, j'ai quitté comme ça. Hop. Je galère un peu avec les touches, hein, mais tout va bien. Fermer ça parce que c'est comme ça. Allez hop. Voilà, je relance tout ça. Ok. Bon, en fait, des fois il y a des chargements, genre là ça a changé de zone et ça fait un peu tout bugger. Allez, je suis sûr que là ça va plus bugger. Je vous remets le jeu parce que je suis gentil. Vous pouvez me remercier. Hein. Rendez-vous à l'académie, ouais, j'avais compris. Bon, bah là, les gens devraient plus marcher entre FPS, enfin, j'espère. Ok, je crois que c'est encore pire. Ok, les gens marchent toujours entre FPS, hein. Bon, je vais récupérer cet objet que j'ai déjà récupéré. Mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Bon, on va pas y passer l'année non plus, hein. Y'a pas de Pokémon, y'a pas de combat. On va avancer. Ah, quoique ici, attendez. Alors, j'ai l'impression que tu es. Que ces gens se passaient, mais t'es juste sur l'aventure. Ah, ouais, il est vu intérieur. Carrément. J'ai dit oui. Mais j'ai dit oui, elle veut pas. Bon. Elle me dit tu veux essayer, je dis oui, après elle fait non, vaut mieux pas essayer. Vraiment bizarre ce jeu. Venez voir nos produits. Ok, c'est nul. Je peux même pas. Truc des tapas là, Faritas. Petite glace vous tente.
Oh, c'est stylé l'interface par contre. Glace au soda. Glace au soda. Moi je me tente, allez, vas-y. C'est cher quand même, hein. 900 poképièces, hein. Je peux s'appeler comme ça. 900 trucs là. C'est quoi ce bordel? Pourquoi mes Pokémon sont heureux? Parce que j'ai mangé une glace. À bientôt! J'ai juste mangé une glace, hein. C'est vraiment bizarre. Hein. Oh, elles sont sucrées! Une crème glacée! Bah non, hein. Ça ira. Je viens d'en manger une. Je me suis dit que c'était un autre truc, mais en fait, non. Tout le monde est en 3 FPS dans cette ville ou quoi? Là, c'est un truc qui se mange. Paella de Paldea, c'est quand même un truc typique, je suis sûr, on va le prendre. On va quitter, non, en fait c'est pour changer l'aura, mais on s'en fout. Bon allez, moi je dois aller à l'université, hein. Je vais étudier moi. Oh, de la bouffe, non. Je ne dois plus manger. Je dois aller tout là-haut là. Je loupe rien ici. Hein. L'homme a... Ah bah les bancs voulaient pas apparaître. Comme là ici, les trucs n'apparaissent pas sur les côtés. Ah, à cause de la cinématique. Allez, rejoins la Team Star, tu vas pas le regretter avec nous, tu brilleras en au firmament. Ah, les ennuis commencent. Bah, pourquoi tu dis rien, tu peux pas profiter d'une vie stellaire avec nous? Ça m'est égal. Écoute, on doit recruter de nouveaux membres, on a un quota à tenir. Alors fais pas d'histoire et rejoins la team de Star. Mais je... L'aider. Moi je l'aide. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux pas qu'on occupe? Si tu veux rejoindre nos rangs, attends ton tour. Un peu de respect, tu veux? Tu sais à qui t'as affaire? Non. Pff, encore un qui connaît pas le respect. Voici la Team Star, tu piges? Fais gaffe mec, t'as un truc qui sort là de tes cheveux. Il mérite une bonne leçon. Baston! J'aurais pas dit mieux. Moi je vais essayer de voir les étoiles. Ok, j'ai rien compris. Le sbire de la Team Star veut se battre. Griboogren, bah je connais, je l'ai. Alors mon gars lui il va... Il va valser ton Pokémon. Efficace. Pas très efficace, efficace, pas très efficace. Super efficace. Tarsal ou Axoloto? Axoloto, hein. Non, Tarsal, elle est level 8. Tarsal, viens là. Je suis trop à fond dans le jeu, pardon. C'est bien, c'est quand j'ai déjà capturé le Pokémon, ça le... Et la musique, elle est bien. Choc mental. Alors, je vais quand même la soigner avant parce que je crois qu'elle fasse buter. Griffe-moi, mais moi mon gars, je te fais un choc mental. Tu vas voir, c'est moins rigolo. Bon, arrête, c'est bon. Attends, faut l'améliorer, t'as ça, elle a des bonnes trucs techniques, mais elle est bas level. C'est dur la vie de Star. T'as surtout un problème mental. Il est super fort. Il l'a battu, impossible. Plus je suis assez à mon tour de montrer ce que voit la Team Star. Arrête avec ton visage, t'as un petit problème mec. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, pas la déléguée. Il manquait plus qu'elle. Manit, tu me déçois.
Qui te fait des combats Pokémon sans moi? Ça se fait pas. Et c'est la Team Star qui... Ah bon, dans ce cas, j'ai rien dit. Je comprends mieux maintenant, quand tout, la Team Star. Je vous ai pourtant dit d'arrêter de forcer les élèves à rejoindre votre groupe chelou. Pas la peine de vous inventer des excuses. J'ai déjà bien compris la situation. Mon rôle de délégué m'oblige à calmer les esprits, mais j'ai une meilleure idée. Tu vas régler cette histoire grâce à l'objet super rare que je t'ai apporté. L'orbe Terra Crystal. Il y a l'arbre qui clignote en... à côté, là, tout va bien. Une orbe qui renferme un pouvoir de cristallisation. Permet à un Pokémon de se Terra Crystalliser. Avec cette orbe Terra Crystal, tu peux Terra Crystalliser un Pokémon en plein combat. D'ailleurs, je pense que ton Chochodil devrait se Terra Crystalliser en type feu. Bon, ça, je m'en fous. Allez, baston. Quoi? Je vais servir le cobaye pour essayer la Terra Crystallisation? Tu préfères te battre contre moi, peut-être? Oula, non merci. Parce qu'à vos marques, prêt? Fighter! Alors ça, non, par contre. Pas fighter, on dit pas ça. L'arbre qui clignote, mais tout va bien. Mec, t'as un problème de visage. T'as des trucs qui sortent de ta tête comme ça. Le sbire de la Team Star veut se battre. Mon glouton, je ne l'ai pas, donc on va regarder ça tout de suite. Quoique non, en fait, pas besoin. On va nous montrer la Terra Crystallisation. Flamèche. Allez, c'est parti, mon gars. Terra cristallise-toi. Oh, c'est incroyable. Chouchoudil utilise Flamèche. Oh là là. Mon glouton ennemi est KO. C'est incroyable. Bon, c'est un peu chiant, c'est un peu long quoi. C'est comme l'énergie Z là dans Pokémon Soleil qui est juste là. Tu trouves que tu spams, c'est ultra cheat, mais c'est chiant. Suggestion? Ah non, pas poudre de dos. Hein. Ah non, c'est trop cheat, poudre de dos. Ça fait quoi? Précision 100, puissance 25. Sac rafale. On va le mettre à la place de... Allez, charge peut-être. Apprendre hypnose. Oui, bien sûr. Alors, hypnose. Lance pour la prochaine dans un profond sommeil, ok. Augmente son esquive. Tu me suggères quoi? Mais ils sont nuls de leurs suggestions, ouais, j'arrête. Enregistrement, un cri tout mimi pour. Bon, allez, ça, ça dégage. Après l'hypnose, c'est vachement plus stylé. Il a battu le sbire. Qui a un problème avec son visage derrière. Il y a plein d'étoiles, oh là là. Il y a un problème avec les étoiles, ce mec. L'autre, elle est contente derrière, tu sais. Vous la voyez pas, il y a ma tête, mais. T'as super géré la Terra Crystallisation. Une astuce, si tu utilises une capacité du même type que le type Terra Crystal de ton Pokémon, elle infligera encore plus de dégâts. C'est ce que j'ai fait. Hein. Certains Pokémon prennent un type qui n'a rien à voir avec celui qu'ils ont à l'origine. Tant dire que ça offre toute une stratégie de combat. N'oublie pas de recharger ton homme en soignant. Ok. Je m'en vais, hein. Je vous lève, hasta la vista. Allez, cassez-vous. La Simstar, c'est juste une bande de voyous. Ils viennent presque jamais en cours et ils font des courses sauvages en groupe. Même les profs ne savent plus quoi faire d'eux. Dites. Je voulais. Merci beaucoup.
Je dois y aller, salut. Tu veux dire le héros de l'école? Et puis peut-être vieux, peut-être nouvelle aussi. En tout cas, je suis trop jalouse, ton sac évolue, il a l'air tout doux. Bref, tout est bien qui finit bien. Maintenant, il est temps de reprendre le chemin vers l'école. Suite de grimper les escaliers de l'enfer. Putain, elle fait 10 marches par 10 marches avec ses jambes. Allez, on va y aller. Pas trop fatigué? Non, ça va. Allez, bah, c'est parti. L'Académie Raisin. Les mecs qui font des animations en 3 FPS. Bienvenue à l'Académie Raisin, Monite. Ah, je m'en souvenais. Si, c'est l'hall d'entrée de l'école. Voici la réception où tu pourras t'inscrire à plein de cours différents, accéder à toutes les facultés de l'école. Comme tu peux voir, le hall est immense. Malheureusement, les combats y sont interdits. Bah, heureusement. Monsieur Monite, Mademoiselle Menzi. Ah, ça fait longtemps, lui. J'espère que vous avez fait bonne route. Oui, ça s'est bien passé. Je suis bien accompagné. J'avais vu juste en vous en vous confiant à Mademoiselle Menzi, même si elle vous a emmené chercher des Pokémon et ça fait 3 heures que je vous attends. Cela étant dit, je m'en fous. Ouais, je dis pas, j'ai la flemme. Ça ne veut rien dire, hein. Désolé, mais... Oh, les mecs, ils sont en 3 FPS, c'est abusé. Bonjour Monsieur Jack. Bonjour les enfants. Aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qui veut savoir ce que c'est? On veut savoir, dites. Eh bien, sachez qu'un petit nouveau petit camarade va nous rejoindre dès aujourd'hui. C'est qui? Je me demande bien à quoi il ressemble. Entre donc. J'attends depuis une demi-heure derrière la porte. Tu veux bien te présenter à toute la classe? Haha, il a l'air vraiment super sympa. Il est un peu débile. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout cela d'avoir envie de mieux connaître votre nouveau camarade. Qui veut lui poser une question? Moi, je peux lui poser une question. Qu'est-ce que t'aimes bien chez les Pokémon? J'aime faire des combats avec. Vraiment trop cool, moi aussi. Qui d'autre veut lui poser une question? Oh, je deviens fou. Moi, je peux? On s'est tous inscrits dans cette école avec un objectif en tête, Monite. C'est quoi le tien? Devenir un meilleur dresseur. Je suis sûr que tu arriveras. Je serai là pour t'aider. Merci pour ta présentation, Monite. Moi, c'est Monsieur Jack. J'enchaîne la biologie. Et je suis ton professeur principal. Ta place se trouve là-bas, au deuxième rang. Je t'en prie, va donc t'asseoir. Très bien, nous allons pouvoir commencer le cours dans la bonne humeur. Oui, monsieur. Même dans le jeu, j'aime pas les cours. Faut explorer librement l'école. Salut, bienvenue. Tu cherches Mandy? Non. Tu peux assister à des cours de combat Pokémon? C'est des professeurs, ça là, hein. Bon, on va aller. Il y a Menzi, c'est des professeurs, je vais aller à la cafette. Parce qu'il y a rien d'intéressant, mais.
Université Raisin là, c'est quoi ce bordel? En forme de visage, y'a quoi en forme de visage? Bienvenue! Vous commencez pas bien, j'espère? Qu'est-ce que vous ferez plaisir aujourd'hui? Rien du tout. Ok. On va juste pas dans un four? Ah, y'a lui là. Tiens, comment on se retrouve? Tu te souviens de moi? C'est le garçon du phare. Oui, c'est ça. Je vois que tu as une bonne mémoire. Je suis très arrogant. Et toi, démonie, je me souviens bien de toi. T'es en train avec la déléguée, c'est ça? Tous les élèves parlent de toi. D'habitude, j'en ai à faire du bahut. Mais je fais l'effort de venir aujourd'hui pour te voir. J'aurais besoin de ton aide pour te pécho, pour une mission en perso. Vu ton talent, je pense que t'es la personne idéale pour ça. D'accord. Attends, je t'ai encore rien dit. Tu sais, à toi accepter sans poser de questions, on dirait. Je vais t'expliquer. Tu sais, mais quoi, j'adore faire des pique-niques. Oh, mais je m'en fous, tes pique-niques. Épice secrète. Bon, là, il raconte sa vie, je vais pas lire. Les créatures de la zone 0, les mystérieux Pokémon peuplent la zone 0. Dans les entrailles du cratère, nous découvrîmes des créatures petites et cruelles. Et nous vîmes même à nous demander s'il s'agissait de Pokémon. L'une de ces créatures blessa grièvement l'un des nôtres, qui nous contraignit à faire demi-tour. Ah, ils sont forts. Un membre de l'expédition parvint à prendre ce cliché par hasard. La créature qui s'y figure s'apparente à un Pokémon nommé Domphan. Mais elle se distingue de ce dernier par la texture de sa peau et sa façon de se mouvoir. Elle ressemble à s'y méprendre à un disque de métal. J'aime bien chercher des pistes, mais je passerai devant en combat Pokémon. Ah, j'ai remarqué, hein. Le mec, il y a vraiment un Pokémon de merde. Ok, bah, dis-moi les lieux. Hop, des lieux. Dominant. Nickel. Quoi un parfum de légende? Un sac de poussière étoile, merci. Vendu à bas prix, bon, bah c'est que c'est de la merde. Réfléchis bien à ma proposition! Allez, parti. Allo, Monite? J'ai piraté ton téléphone visé pour te parler, j'espère que ça te dérange pas. C'est qui? Non, c'est Cassiope. J'ai acquis tu es, t'es un dresseur doté d'un grand talent. Je souhaite que tu t'aires de ce talent pour m'aider à accomplir une tâche. Carrément, c'est dans Matrix quoi, le pirate mon truc. Quoi, Team Star? Oui. Merci pour ton honnêteté. D'accord, mais dis-moi. Un groupe de délinquants, ouais, je sais. J'ai décidé d'agir. Je veux les buter. L'opération Stardust. Oui. Si tu veux. Salut. D'accord, cette personne n'est vraiment bizarre. En plus, je souris, je suis heureux. Ah bah dis donc, tout le monde... Oh, monsieur Bonit. Veuillez parler plus doucement lorsque vous téléphonez au sein de l'établissement. Oui, monsieur. Vous n'avez pas que quelqu'un vous entende vos conversations privées par inadvertance. Qui sait ce que des personnes mal intentionnées peuvent faire à vos informations personnelles de nos jours? Vous pouvez disposer. Ah bah, je confirme, hein. Enfin, je confirme pas, mais je sais rien en fait. Avec tous les trucs là. Teamstar. Ah ouais, c'est lui en fait qui écoute tout. C'est le salaud. C'est quoi ça? Ah, c'est pour se déplacer. Si des cours, c'est par ici. Non, mais annulé, aucun. Moi je veux ça là. Où voulez-vous l'aller? Voilà. Ici, salle des professeurs.
Université Raisin. Moi je lis pas, j'ai la flemme, hein, désolé. Vous démerdez, vous savez lire. Salut Monite. C'était qui? Elle t'intrigue, hein. C'est la chef. Trop forte, géniale, trop cool. C'est vrai, mon rêve de devenir comme elle. Toute la communauté de dresseurs Pokémon l'admire. Tu m'as dit que ton but c'était de devenir meilleur dresseur. Dans ce cas, ça te dirait d'essayer d'attendre leur en maître? Oui. Eh bien, c'est pas difficile à combattre. Je vais t'expliquer quand même de quoi il s'agit. À convaincre, pardon. Les dresseurs et dresseuses qui atteignent leur maître sont des vrais pros du combat. Ok. Oh, la ligue, oui. Faut venir à bout des 8 arènes Pokémon pour emporter leur badge. Examen de maîtrise. Alors, j'aurai leur en maître. L'autre, elle a 2 Pokémon, elle est en maître, ça n'a aucun sens. Ça doit être simple, hein. Si elle, elle l'a eu avec 2 Pokémon. Bien sûr que non. Ah, elle me met les arènes, ça c'est bien. Arène, ok, bah toutes les arènes du coup. Ah, elle me repirate. Tu peux arrêter de me pirater. Ah, j'ai demandé au bureau du proviseur. Ah, si je me suis pas fait pirater, pardon, c'est juste l'appel. D'accord, bah nickel. Il y a des gens intéressants ici, non? Désolé, hein, je dis pas que vous êtes pas intéressants, mais... Où voulez-vous aller? Bah, bureau du proviseur, en fait, j'ai pas le choix. Carrément, c'est une agression, le truc. Je vais me faire fracasser la gueule. Monsieur Monit, vous voici enfin. Alors, trouvez-vous l'Académie Raisin à votre goût? Oui. Votre zone me remplit de joie. Bah, j'ai fait aucun cours pour l'instant. Traite de mondanité. Laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau. Votre mère est-elle célibataire? C'est pas vrai. Une personne qui m'est chère souhaite s'entrevenir. Qui? Y'a personne? Si j'ai cherché, elle est pas là. J'établis la connexion. Ah, c'est l'autre folle là, qui m'a piraté, je suis sûr. Ah, ah bah non, c'est un mec. Bonjour Monite, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Tulum. Tulum. Zone 0. Waouh. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Les professeurs Pokémon. Oui. Je crois que je l'ai même pas en fait, hein. Ah ouais, il est là en fait. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, je suis content que tu ailles bien. Un goût. Ok. Vas-y, j'accepte.
Vas-y, Dan. À très bientôt. Ok. Salut, mec. Ce Pokémon viendra donc de la zone 0. Viendrait donc de la zone 0. Tolome. Ne me dites pas que... Oh, l'ambiance a changé, il n'y a plus de musique. C'est devenu énervé. Il semble que le professeur vous a confié une mission d'une grande importance. Bien entendu, l'académie se tiendra à votre disposition pour vous aider de toute occasion. Profitez donc pleinement de votre scolarité aux côtés de Miraidon. Là, je suis pas un enfant normal. Hein. J'ai déjà un Pokémon qui vient d'une zone bizarre et tout. Y'a rien qui va. Bon bah, je sors. Et je peux voir l'affiche qu'il y a là. Non. Bonjour. Ah, oh, mais c'est pas vrai. Ah, te voilà, je t'ai cherché. Tu étais convoqué chez le proviseur déjà? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, ta gueule, je rigole. T'es pas du genre à faire des bêtises. Monsieur Jack m'a demandé de t'accompagner jusqu'à ta chambre. Car oui, tu en as une pour toi toute seule. Tout seul. On y va, j'ai hâte de voir à quoi ressemble ta chambre. Comment ça, mon ref? Non, non. Tu vas pas, hein. Elle est vraiment bizarre, hein, cette meuf. J'ai hâte de voir ta chambre, elle dit, mais non, casse-toi. Tadam! Mais c'est incroyable, moi je veux ça. Je t'invite comme si on était chez moi. Mais en fait, c'est la première fois que je la vois. Tu vas être fatigué après cette journée d'école même augmentée. Tu peux être reposé dans ton lit si tu veux. Ah, cool. Ça sonne les Pokémon. Repose-toi bien demain, faut que tu sois en forme pour nos futurs combats. Bah, je vais dormir, écoute. Ça me donne bien envie de jouer à la légende Arceus. D'abord, dès que j'aurai fini le jeu, bien sûr. Allez-vous dormir? Oui. Bonne nuit. Je crois qu'on va se quitter là. Hein. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que vous avez rejoint l'Académie Raisin. Aujourd'hui marque le début d'une grande aventure. À l'attention de tous les élèves, la saison du projet extrascolaire est arrivée. Et vous rassembler dans la cour pour assister à sa présentation. Elle est à l'aise, elle, hein. Tranquille, hein. Enfin, j'attendais que ça. Imagine, là, j'étais à poil dans ma chambre, et bah, l'autre, elle rentre comme ça. Le projet extrascolaire, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Allez, viens, on va dans la cour, vite, vite. Enfin, je crois que je vais quand même jouer que avec vous. Le problème, c'est que faut que j'attende une semaine pour jouer. Même pour vous, pour regarder, c'est un peu chiant. Mais après, quand même, là, il est 3h24 de live. Ce jeu, franchement, je m'en lasse pas, il est trop bien. Est-ce que je le fais en let's play ou pas? Si vous êtes jusque-là dans la rediff ou quoi, dites-moi. Alors là, ça a save, mais on va quand même re-save. Tac, alors si je me souviens bien, tac. Tac, 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 tac. Alors notre équipe, on a un... Alors je peux pas aller dans... Ouais bon allez. Résumé. Enfin résumé de l'équipe, voilà. Alors voilà, on a du coup... Chochodil, Mustéboué, Granivol, un pomme, mais en vrai je sais pas si je l'aime bien, je crois que je vais changer. Tarsal et Axolotl. Donc voilà, j'espère que du coup ce live de 3h25 vous aura plu. Il est 1h du mat, tout va bien. Ceux qui regardent la rediff, bah merci d'avoir été là. Même tous les gens qui ont follow, il y a eu 2 follow et tout, merci beaucoup. Pour un mec qui fait jamais de live comme moi, c'est vraiment cool.
On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite. Peut-être demain. Peut-être demain après. Ah, je sais pas. Bah, vous verrez. Au pire, si jamais vous ratez le live, vous pouvez regarder la rediff sur YouTube. Allez, on se retrouve à une prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Vous connaissez. À la prochaine.